Donc, le jour où je me rappelle, j'ai eu un client en coaching qui m'a payé 1000 euros pour une heure. Et j'ai commencé, en fait, j'avais des larmes de joie parce que je me suis rappelé justement cet exercice qu'on avait fait à la fin. Et je me dis, putain, mec, Le chemin. le chemin. Donc, Waouh. et j'ai fait le premier lancement et je pense que j'avais fait 15 000 euros en une semaine. Parce que Waouh. pour vraiment combattre le racisme, j'étais obligé d'apprendre à m'habiller bien. Parce que mes premières années, et ça, je ne dis pas ça pour attaquer la Pologne, mais il y avait des gens qui, tout simplement, ils me voyaient, ils me disent, ah, tu fais quoi ici? Tu vends des kebabs? Tu vois? Et moi, je me dis, what the fuck, man? Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur 2.0. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité pour nous de rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis, encore aujourd'hui. On a la chance d'avoir Kamal Jaïd sur le podcast. C'est vraiment un événement incontournable. Il a été le grand frère, le coach en séduction de tellement de gens sur YouTube. Ça avait été sa première vie dans laquelle il va nous partager comment est-ce qu'il a réussi à développer cette chaîne YouTube à succès, ce blog à succès et ce business finalement dans le coaching séduction à succès avant de basculer dans le développement et la création d'une marque de luxe, de maroquinerie dans laquelle il porte aujourd'hui cette envie de faire connaître au monde le savoir-faire marocain en termes de maroquinerie. On a également pu le voir passer à Qui veut devenir mon associé, je crois que c'est le nom de l'émission, au Maroc directement. Et il va nous partager eh bien, son ascension avec cette envie de créer une marque de luxe internationale et de faire connaître le savoir-faire marocain aux yeux de tous. Une interview tellement riche aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous la partager. Et si vous voulez plus d'interviews inspirantes et motivantes au quotidien pour vous donner l'opportunité de faire transformer votre vie et votre business, laissez-nous un énorme like. Abonnez-vous sur YouTube ou sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes connecté et laissez-nous une review, un 5 étoiles, un commentaire. C'est essentiel aujourd'hui pour faire connaître notre travail et aller chercher toujours plus d'interviews inspirantes. On compte sur vous. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Kamal. Salut Kamal. Hey, salut. Je suis so excited, guys. Et on commence tout de suite les anglicismes parce qu'il va y en avoir plein dans cette interview. Si vous êtes allergique, vous pouvez tout de suite laisser un like, vous abonner et peut-être mettre pause parce que vous n'êtes pas prêt à prendre autant d'anglicismes ou de petits mots en arabe dans cette conversation parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre invité est international, les amis. Notre invité est une star des réseaux sociaux, numéro un. Notre invité a été un grand frère pour des centaines de milliers de jeunes hommes francophones en recherche de femmes sensuelles, voire sexuelles. Notre invité est une pointure dans le domaine du luxe et du leather. Et puis, on va avoir un panorama incroyable de découvertes et de choses à raconter. Un lifestyle sulfureux sur les réseaux sociaux qui vous est proposé. Un deal gagné au Shark Tank au Maroc pour pouvoir développer son luxury brand Meknès. Il y a tellement de choses à dire que accrochez vos ceintures, préparez-vous, ça va être une interview de malade. Kamal, comment Yes, ça sir. Super. Ben, écoute, l'introduction, je pense que je prends ma retraite après ça parce que je peux faire Mais c'est vrai que tu as, on a vraiment la sensation quand on découvre un petit peu ton parcours ou quand on te découvre, que tu as mieux. eu 1000 vies dans une vie quand même. Ben, c'est vrai, hein. Parce que moi, j'ai quasiment oublié l'épisode Shark Tank, alors que c'est bien passé en fait. C'était il y a pas longtemps. C'était pas longtemps, oui, C'est fou, exactement. hein? Non, non, merci pour cette introduction. Ça me fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Surtout que je t'avais rencontré, je pense, en 2019 à Paris. L'énergie était là, la connexion était là. Donc, et surtout après, hein, je suis un petit peu ce que tu fais sur les réseaux. Donc, c'est un plaisir et un honneur d'être là avec toi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir vraiment de t'avoir et de pouvoir partager ton histoire à tous les gens qui vont écouter ce podcast. Et Kamal, avant d'être un playboy et un génie du business, c'était quoi ton rêve de gosse à toi quand tu étais petit? Alors, le rêve de gosse était simple, vraiment simple. Parce que mon père, en fait, est ingénieur
Et donc, je voyais toujours comment dire, les plans, en fait. C'est Okay. spécial, donc le truc dessiné et tout ça. Et moi, je voulais être architecte, parce Okay. que je le voyais en fait en train de dessiner des ponts, des bâtiments et tout ça. Et je trouvais ça super cool. Et j'ai dit, écoute, écoute, moi aussi, je vais être architecte. Et donc, c'était en fait le rêve, ou bien le plan, ou bien l'objectif. Et je me rappelle à l'université, non, avant, au lycée. Donc, j'ai pas eu la note pour accéder à l'école d'architecture nationale au Maroc. J'ai déprimé. Et après, je me suis dit, allez, bon, on va faire la fac d'université d'économie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait la spécialité, pardon, en marketing. Et le reste, the rest is history, comme The rest is history, on dit. exactement. La plus belle question, parce que j'ai trop, trop aimé le marketing. Les profs de marketing étaient top. Ils étaient tous classiques, ils étaient tous élégants, ouverts d'esprit. Et je lui dis, waouh. Donc, comme ça, hein, même avec des objectifs, on ne sait jamais. Hein. Donc, c'est pour Vers ça. quoi ça nous amène? Ça a été un deuil ou pas un peu la mort de ce rêve d'enfant pour toi ou pas du tout? Ça a été Ça juste un l'était pas en de fait. plus. Ah oui, ça a été parce que je me rappelle, ah mec, ça c'est un beau souvenir. Je me rappelle, donc j'ai pris le bus au Maroc, là, Rabat, donc la capitale du Maroc. J'ai pris le bus et je suis allé à l'université pour voir les notes en fait, parce que tu as les notes de 10 à 12, 13 à 14, disons, donc pour pouvoir en fait postuler. Et je pense j'avais 12, genre 95, un truc, donc il me manquait quelques points. Pour pouvoir postuler, et je me rappelle, j'ai déprimé, j'ai commencé à pleurer immédiatement. Donc, c'était parce que je me dis, bon, c'est mon rêve. Alors que j'ai pensé, dit, oh, tu sais quoi, en fait, je vais refaire le bac pouvoir accéder, mais après, j'ai pensé en marchant chez moi, parce que je voulais pas prendre le bus, donc c'était quand même 1 heure de marche. Et c'était là, en fait, que tout s'est passé, en fait. C'est en marchant chez moi, donc je me dis, mais quand même, non, it is what it is. Donc, si voilà, l'univers ne veut pas que je devienne architecte, alors je vais faire quelque chose d'autre et je vais pas refaire le bac parce que c'est con. Donc, c'était un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. C'était Le une destin, décision. quoi. Tu vois, donc, boum, boum, je dis, OK, je vais faire un autre Parce truc que et je si vais. t'étais parti en architecture, en ingénierie, Ah. peut-être que le futur aurait été complètement différent, non? Je sais pas. Je pense que le marketing, c'est fait pour moi, en fait. Donc, Et raconte-nous un peu, du coup, parce que donc comme tu l'as dit, toi tu es marocain, raconte-nous un peu l'enfance au Maroc, grandir au Maroc, à quoi ça ressemblait un peu pour que les gens aient une idée des racines. Et puis après, on parlera un petit peu ben justement de ton éducation, des valeurs que tu as pu recevoir et de ce que t'ont légué un peu tes parents. D'accord. Alors, moi, je suis né à Meknès. Une ville impériale, ma quatre villes impériales, donc Meknès, Marrakech, Fès et j'ai oublié. Alors Fès, Meknès, Marrakech et Rabat, en fait, et donc, bon, j'ai eu la chance de grandir dans deux villes impériales, donc il y a beaucoup de culture, beaucoup de monuments, beaucoup de. Il y a plein de choses qui se passent, en fait. Mais donc j'ai passé mes premières 7 ans à Meknès, donc je me rappelle pas vraiment beaucoup de choses là-bas. Donc à Rabat, j'ai grandi à Rabat et si alors comment dire ça? C'est une bonne question en fait. Comment dire l'enfance au Maroc? Parce que honnêtement, hein, je vais pas jouer. Donc j'étais pauvre, c'était la souffrance, etc. Ça. Je suis d'une famille qui est complètement normale. Je vivais dans un truc normal, donc j'avais des plus ou moins des amis d'enfance qui sont dans le même, j'allais dire, Niveau social. voilà, niveau social, exactement. Papa était ingénieur, maman elle travaillait ou elle était au Non, foyer maman ou... était femme de foyer, donc était en Donc fait, très très cou très courant en général au Maroc quoi. exactement. Donc vraiment, j'essaie de me rappeler en fait des souvenirs, la caractéristique de l'enfance. Donc, on jouait beaucoup au foot. Donc, le foot, c'était pour nous, par exemple, c'est on respirait le foot. Le foot, c'était pour nous une religion. Donc, à chaque fois, on avait un moment libre, on jouait le foot, on était tout le temps dehors, malheureusement. Chose que l'on ne voit pas de nos jours, hein, à cause des téléphones, etc. Mais je pense que la majorité de mon enfance, j'ai passé à jouer du foot.
Et j'étais en fait très bon en sabre, quoi. Pas pour me la raconter, mais j'étais très très bon. Donc j'étais en fait sélectionné dans l'équipe nationale au lycée. Donc c'était les jeunes, à moins de 18 ans, un truc du genre. Donc, et jouer aussi en mode semi-pro. Donc il y a une équipe arabe, c'est FUS, football. Enfin, j'ai oublié, mais bon, bref, ce que je veux Ça, dire. c'était un rêve, ça aussi, ça aurait pu. Oui, exactement. Donc ça, c'était à l'école en fait, parce que j'étais tellement bon. C'est bizarre de le dire comme ça, mais en fait, on était bon. Donc on était 6, je pense 6 ou 10 mecs. On était vraiment, voilà, comme je t'ai dit, on respirait le foot. C'était notre vie. Et en fait, ça, en fait, parce que j'étais semi-pro, donc jouer. Et ça aussi était une idée, hein, parce que j'ai eu pas mal d'offres, etc. Mais mon père là m'a dit, écoute, le Maroc, ça, tu sais, c'est pas, soit tu es Cristiano Ronaldo, soit t'es rien. Faut vraiment, parce qu'il y a tellement de compétition. Et je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis venu ici en Pologne et je vois les gens jouer dehors, la qualité du jeu est vraiment, c'est marrant pour moi, mais je me dis, mais ces mecs, ils savent pas jouer ou quoi? Donc, parce que là, tu vois les gosses Il y avait marocains. beaucoup de jeunes dans les rues au Maroc qui savaient vraiment jouer, quoi. Exactement. Donc, au Maroc, c'est des petits Neymar, des petits Ronaldinho, tu vois la qualité. Ici, en Pologne, par exemple, et ça, je parle il y a 10 ans, parce que quand je débarquais ici pour la première fois, et je voyais la différence dans la qualité, je me dis, what the fuck? Et en fait, j'ai joué un match ici et encore, j'ai cartonné. Je me dis, waouh, le niveau de le changement. Alors, je pense qu'en France, c'est la même chose. Hein, parce que vous avez parce que la France, le foot, c'est aussi quelque chose C'est d'important. religion, ouais. Exactement. Donc, c'est un petit peu dans le même esprit. Donc en France, c'était le foot, c'était des aventures. Donc, voilà, par exemple, on disait, allez, on va aller à la plage, parce qu'on était. Tu connais Marc, tu as passé pas mal de temps là-bas. Donc c'était des plans spontanés, j'allais dire, parce que voilà, on se réveille, on se dit, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, foot, à la plage, ok, let's go. Tu vois, donc c'était vraiment ça. Et quoi d'autre? Et c'est quoi les grandes valeurs que tes parents t'ont données? Du coup, bah là, déjà, on en voit une importante, le rêve du foot, et il y a tout de suite le paternel qui dit, ouais, Exact. peut-être les études, c'est peut-être mieux le plan académique. Du Exact. coup, ça va être quoi? Ça va être travailler dur, sérieusement, le travail est important. Au niveau du travail, c'est quoi les valeurs que tu as reçues? Absolument. Donc, bien sûr, le Maroc, c'est un pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé. Et donc, avoir un diplôme, machin, master, doctorat, etc., c'est super important. Et tu as ça, en fait, automatiquement dans la tête. Parce que, comme je t'ai dit, quand je t'ai raconté l'histoire là de l'architecte, etc. Donc, c'était automatiquement pour moi, oh my God, je vais avoir un job misérable. J'ai jamais pensé en fait à avoir un propre truc avant, tu vois. Donc, c'était même pas la question. C'était même pas dans le viseur. Donc, automatiquement, je me dis, oh no, je vais pas pouvoir avoir un job qui va être bien payé. Je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Et du coup, c'est là que voilà, Internet, grâce à Internet, et ça je parle de 2004-2005, c'était l'époque ADSL que j'ai dit, donc on a Internet chez nous, etc., à la maison. Et donc c'est là en fait que j'ai commencé un petit peu à voilà, tout simplement ouvrir mon esprit, hein, si on peut dire ça. Et un nouveau monde s'est ouvert, quoi. Exactement. Et je pense que c'est là que les choses ont commencé à changer, en fait. Donc, l'état d'esprit, le mindset, hein, tu parles beaucoup de mindset. Et je me rappelle, je me dis, ah, un jour, peut-être, et si je faisais un truc complètement différent? Différent. Voilà, exactement. Mais bon, c'était le début. Voilà, c'était le début. Ouais. Mais au Maroc, c'est fais tes études, tu finis l'université, tu fais le master, peut-être un doctorat, et tu cherches un boulot et c'est fini. Tu te maries, tu fais des gosses, C'était ça le plan pour toi, en tout cas. c'était ça le plan. Et tu sais, c'est, tu,
tu te dis pas que ah non, c'est pas une vie. Ça, c'est vraiment the vie. C'était sexy, ouais. C'était sexy. Ça. Dans tous les cas, ton père était un peu ton héros et l'objectif, c'était vraiment de réussir à faire voilà, l'architecture, l'ingénieur comme papa et de construire et suivre le plan, quoi. Exactement. Et je pense, et je peux dire que 90% des gens, ils ont cette mentalité, en fait. Donc, parce que c'est... Est-ce qu'il a été fier quand il a vu les photos de son fils quelques années plus tard avec des femmes dénudées sur les réseaux sociaux? Pas du tout. Alors, c'est une os. On va y arriver. Restez connectés avec nous. J'ai placé un cliffhanger, tu vois, en plein milieu de la conversation pour dire attention, that's coming. Un autre point, du coup, c'est peut-être d'un point de vue financier, au niveau de l'argent, qu'on comprenne également aussi les résultats et les développements qui vont arriver après. C'était quoi pour toi gagner beaucoup d'argent? Qu'est-ce que tu espérais gagner? C'était quoi la vie que tu attendais? En termes de chiffres ou bien… En termes de chiffres, en termes de lifestyle, à quoi tu prétendais, toi, quand tu étais plus jeune? Alors, moi, ça, je me rappelle, à l'université, je pense, le prof nous a… Je pense que c'était un exercice, un truc. Il me dit, écoute, votre salaire parfait, même pas votre rêve, le salaire parfait. Alors, Maroc, il faut comprendre, au Maroc, le SMIC, par exemple, je pense, en ce moment, c'est 300 euros, un truc du genre. C'est vraiment rien. Et là, moi, je lui dis, je vais pas bosser si j'ai pas un minimum 1000 euros. Donc, pour 1000 euros, à l'époque, c'était presque un salaire d'ingénieur. That was the goal. Ouais. That was the goal pour moi. Donc, 1000 euros. Là, quand je pense à 1000 euros. Donc, je me dis, c'était ça mon objectif. Je dis, je vais pas faire, je bosse pas si j'ai pas 1000 euros. Chaque mois. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. et là, on va mettre un autre cliffhanger. Donc, le jour où j'ai eu un client en coaching qui m'a payé 1000 euros pour une heure. Et j'ai commencé, en fait, j'avais des larmes de joie parce que je me suis rappelé justement cet exercice qu'on avait fait à la fin. Et je me dis, putain, mec. Le chemin. Donc, wow. Ouais, mec, c'est ça. Et moi, je connais même des amis qui, en France avec moi qui ont des jobs en ce moment et qui touchent en ce moment 10 000 dirhams. Donc, c'est 1 000 euros et ils font leur vie. Et donc, je me dis, oups. Ouais, il y a eu deux chemins, quoi. Il y a une autre vie, il y a Kamal, ingénieur au Maroc, qui gagne 1 000, 1 200 euros et peut-être très heureux aussi d'être. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. Peut-être c'est un autre univers, c'est le multiverse. Hein, donc, exactement, le monde parallèle. Bon. J'aimerais bien voyager dans le multiverse et voir comment en fait le Kamal ingénieur à 1000 euros, combien d'enfants, parce que là j'ai zéro enfant. mais oui, c'est ça en fait. On va avoir l'occasion d'arriver jusque-là en tout cas. Un des premiers steps importants, donc on va découper cette interview en différents Kamal, différentes phases un petit peu de ta vie. Et une des premières phases importantes, je pense, qu'a shifté, ça a été du coup l'arrivée en Pologne, l'arrivée en Europe, donc le départ du Maroc pour arriver en Pologne. Je crois que tu es directement arrivé à Varsovie, tu y es toujours si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui. Ouais. Raconte-nous un peu du coup le départ du Maroc pour arriver en Europe. Très belle histoire aussi. Alors, c'était en 2008. Je viens d'avoir ma licence en économie, marketing, etc. machin. Et là, c'est quelque chose que normalement, les Marocains, ils ne le font pas. Parce que c'est une question de culture, d'état d'esprit. Alors, moi, j'ai décidé, allez, je ne vais pas faire le master. Je vais prendre une année et je vais voyager. OK, la fameuse césure. Exactement. Donc déjà ça, c'est quelque chose, je sais pas comment j'ai eu l'idée en fait, mais je pense c'est Internet en fait, parce que je lisais beaucoup de livres, les blogs, etc., développement personnel, c'était déjà t'étais ça. T'étais déjà dans le développement personnel, comment est-ce que t'es arrivé là-dedans? Alors moi j'ai commencé en 2006 en fait. 2006, alors 2006 en fait, je me rappelle, j'ai googlé. Alors, je suis sorti avec une fille et premier rendez-vous sympa, beaucoup, ça n'a pas bien marché en fait. Hein, et la question que j'ai eue, mec, j'ai écrit, donc ça, je me rappelle vraiment, c'était comme ça s'est passé hier en fait. J'ai écrit sur Google comment
décrypter les signes d'une fille. Donc, pour le body language. Juste toi, c'est vraiment la séduction qui t'a fait rentrer dans les requêtes Google. Hein? Alors, non, exactement, peut-être. Alors, je n'ai pas mis exactement les mots décrypter, machin. Je pense que j'ai écrit quelque chose, comprendre, signe, corps. Donc, je voulais savoir les petits, comment dire, les tics, les machins qui vont indiquer qu'une fille est intéressée. D'accord? Donc, la frustration pour toi à ce moment-là, c'était le dating. Exactement, c'était le dating. Tout simplement parce que, là encore, on va parler de culture. Hein. Donc, je ne vais pas généraliser, parce que je suis sûr que tu as pas mal de Marocains dans l'audience. Parce que là, ça va être la matrix, là. On va rentrer dans des trucs un petit peu complexes. Parce que Maroc, au début, je pensais, ce n'était pas mon idée. Parce que c'est la culture, c'est quand même un pays musulman. Hein, donc, quand même, la religion joue un rôle très important dans la vie des gens. Donc, pour vraiment avoir une vie amoureuse normale, il faut vraiment avoir minimum des moyens, c'est-à-dire une petite voiture, un petit appart, un truc pour que tu mets des conditions favorables à l'autre personne d'être vraiment à l'aise. Parce que, par exemple, une fille qui va circuler avec toi dans la rue, elle ne sera pas vraiment à l'aise parce qu'il y a la pression sociale qu'on va la considérer, pas dire des gros mots de pute ou bien de prostituée, etc. On peut pas rester directement. En gros, c'est si t'es pas marié, être dans les rues avec une nana. À l'époque, je parle à l'époque. Mm-hmm. Là, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais à l'époque, c'était personne ne le disait, mais c'était là, c'était les règles, comment on dit, the unspoken rules. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et donc, c'était les habitudes, c'était les mœurs, quoi. Exactement. Du coup, nous, les mecs à l'université, tu vois, on n'avait pas beaucoup de moyens, on ne pouvait pas vraiment, concurrencer les chefs d'entreprise en parlant de ça, des mecs qui ont déjà des jobs, qui ont déjà. Et moi, je me rappelle, c'est toujours le dating. Et moi, je me rappelle justement que j'avais une copine, mais je voyais qu'elle voulait faire des trucs, qu'elle voulait voyager, et je ne pouvais pas, j'étais un étudiant fauché, quoi. Donc, et du coup, je pense qu'il a rencontré un homme après, mais bon, je l'ai pris comme un champion. Hein. J'ai dit, voilà, je m'en fous. Hein. Bon, c'est celle qui choisit. Et je pense que c'était ça le déclic, en fait. Ça, d'où la recherche sur Google. Du coup, donc, je voulais juste, ça, c'est une question de marketing. Je voulais faire la segmentation. Donc, je voulais comprendre les signes. Comme ça, je ne perds pas mon temps. Tu vois, donc, je rencontre une fille. Je vois les petits signes, etc. Et je commence l'opération séduction. Donc, du coup, j'ai googlé la fameuse question et je tombe sur un truc, sur un forum. Et là, c'était parti pour le show. Donc là, je découvre la communauté, bien sûr, les fameux pick-up artists, etc. Et the rest is history. Du coup, j'ai commencé à consommer beaucoup d'articles. C'était 2 ans de lecture. J'ai jamais beaucoup de développement personnel, beaucoup de travail sur soi, etc. Et même on commence à ce moment-là à être en connexion, j'imagine, avec du marketing sur Internet parce que on va essayer de te vendre des coachings, des PDF, des courses, plein de choses comme ça. Mais ça, c'était plus tard en fait parce que là, c'était en 2008. Donc, j'ai créé mon blog parce que j'avais tellement de connaissances que j'avais ce sentiment… cette obsession de vouloir partager avec les mecs parce que je savais qu'il y a des millions de mecs qui souffrent de la même façon, qui veulent avoir une petite copine. Je voulais juste avoir une copine. Moi, je ne voulais pas faire mes études, faire mon diplôme, etc., etc. Du coup, donc je rentre avec ma copine, ou bien mon ex à l'époque en 2008 et je dis, écoute, tu sais quoi, je vais prendre une année off. Je vais voyager en Europe ou, je ne sais pas, en Asie, quelque part. Je vais essayer de trouver quelque chose. Et après, je rentre en 2009 et je fais mon master et je cherche un boulot. And game over. Alors, je trouve cette association d'étudiants donc, qui s'appelle ISEC. Et voilà, je m'inscris et je leur dis, écoute, je veux faire un stage quelque part. Ailleurs, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un stage quelque part en France, en Allemagne, en Angleterre, ils disent, écoute,
En fait, les expériences les plus intéressantes, c'est un petit peu dans les pays, comment dire, un peu Moins sexy. moins sexy ou bien exotique, on va dire exotique, tu vois. Il voulait m'envoyer en fait, c'était quoi en fait? Indonésie? Indonésie, ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'était un truc pareil. Mais alors moi, honnêtement, j'étais pas prêt pour ça parce que j'ai jamais pris d'avion, j'ai jamais quitté le Maroc. Alors c'est un petit peu quand même. Je dis, vous savez quoi? Ok, vous n'avez pas un stage en France parce que la langue, etc. Ils disent, non, on fait pas la France parce que tout le monde veut partir. Du coup, parce que la langue, tu sais, qu'au Maroc, on parle français comme deuxième langue ou bien langue de business. Et ils disent non. J'ai dit à l'Espagne, non. Ils disent, écoute, on a l'Ukraine ou la Pologne. J'ai dit, ok, Pologne. Et mon anglais n'était pas top à l'époque, donc j'ai profité de l'été pour apprendre l'anglais. Et donc, j'ai débarqué ici en 2008. Et mec, ça, alors, je dois trouver le mot en français parce que c'était comme ce qu'on appelle un calling. Tu sais ce qu'est un calling? C'est un truc énigmatique, c'est comme un appel. Comme un appel spirituel, un peu où tu sens que c'était le moment dans le timing, ce qu'il fallait que tu vives, ce qu'il fallait que tu ressentes, etc. Absolument. Donc, c'était the right moment, the right time, the right place. Et c'était, je me sentais vraiment bizarre. C'était, je voyais les gens, voilà, je voyais des blondes filles qui passaient dans la rue. Je me dis, wow, this is it, Naturellement, du coup. Avec des femmes, eh bien plutôt beurre, avec les cheveux très noirs, etc. Là, les petites blondinettes, machin, à l'opposé de la marocaine type, on a envie de ce qu'on n'a pas. Du coup, c'est excitant. C'est ton type un peu, les petites blondes comme ça? Absolument, c'était genre une accélération, de, genre voilà, t'es dans un monde A, donc là tu es dans le monde B, complètement différent, c'est une autre planète, c'est un autre monde, c'est d'autres cultures. Et je dis, écoute, après, je pense, 48 heures, j'ai déjà décidé de vivre en Pologne pour le reste de ma vie. Ça, je le savais parce que, et je me rappelle, on m'a invité pour une soirée, donc l'association des étudiants, voilà, pour Welcome Party, machin. Bien sûr, mal, voilà, la Pologne, c'est ça, on m'a donné des tips, etc. Comment, j'avais pas vraiment besoin. Et alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a un petit peu, qui m'a aidé à vraiment profiter de mon expérience? Parce que j'ai dit, bon, je dois m'adapter à la culture. C'est-à-dire, je vais pas, tu vois, parce que j'avais déjà des, comment dire, des idées reçues. Voilà, c'est, je viens d'un pays qui est musulman, etc. Mais moi, j'étais déjà ouvert d'esprit grâce notamment à l'éducation de mes parents, parce que mon père était super cool, ouvert, ingénieur, tu sais, voilà, s'en fout un petit peu. New Age, quoi, on va dire. Exactement. Donc, du coup, je me suis adapté vite fait. Pas de conneries, pas de, j'essaie pas de, voilà, j'essaie pas de dire, ah non, ça, j'accepte pas. Le mec, il m'offre un shot de vodka, je dis, allez, vas-y, hop, let's go. Jamais bu de ma vie. Ah oui, d'accord, carrément, t'avais jamais touché une goutte d'alcool. Jamais, jamais. Je dis, allez, let's So I go. believe you were super drunk the first night. Mec, j'étais, tu sais, tu peux imaginer ma soirée après. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, donc, voilà, c'est comme, en fait, une éponge. J'absorbais, en fait, les informations, la culture, et donc je m'adapte. Après un mois, 2 mois, j'ai dit, ça, c'est super cool. Donc, j'ai commencé, en fait, à voyager en Pologne. J'ai fait, je sais pas, une quinzaine de villes, de villages, etc. Je suis vraiment tombé amoureux du pays parce que j'ai vu des trucs. Et là, je te dis, mec, ça, c'est 2008. C'est même la Pologne n'est pas vraiment connue. Pas connue, mais tu vois, il n'y avait pas beaucoup de touristes, il n'y avait pas beaucoup d'expats. Parce qu'en fait, la Pologne, ils ont rejoint l'Union européenne en 2004. Je pense, et en 2008, ils ont commencé en fait à voilà, accepter des gens, C'était etc. l'ouverture, quoi. C'était vraiment le développement de la Pologne. Voilà, donc moi je suis arrivé en fait, jour 1, ok, let's go, pays en développement, let's go. Donc je faisais partie en fait de cette révolution, si on peut Ouais, de dire. cette nouvelle Pologne, presque. Exactement, je faisais partie jour 1, day 1,
Nouvelle-Pologne, je suis là, Kamal est là, let's go. Et du coup, parce que bon, là, on va en parler économiquement parlant, l'Union européenne a envoyé beaucoup, beaucoup de fonds pour développer le pays. Et ils l'ont bien fait, en fait, parce que c'est un plaisir de, voilà, de vraiment vivre ici, même si, bon, il y a des trucs comme le racisme, etc. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet, mais c'est un autre cliffhanger, j'allais dire. Grosso modo, pour ne pas vraiment s'attarder sur ça, donc en 2008, je débarque et le premier, j'allais dire, événement qui va un petit peu, le tournant, c'est le mot, tournant, c'est en fait, je me fais licencier, bon, pas licencier, parce que je faisais un stage, mais la société où je faisais le stage, ils ont dit, écoute mec, voilà, malheureusement, on peut pas t'avoir ici pour 6 mois, donc merci, bye. Je dis, what the fuck? Donc, j'avais pas de salaire. Et surtout, je voulais pas rentrer au marché, je voulais pas revenir. C'était ma chance, en fait. Je suis en Pologne. J'ai 6 mois dans le visa. C'était pour moi hors de question de rentrer, de revenir, parce que ce serait un échec. Et surtout, je voulais pas appeler mes parents et dire, est-ce que vous pouvez m'envoyer d'argent? I get fired, I need money. And they're like, ah, oh, this fucking guy again. Parce que bon, moi, je me rappelle, mon père m'a dit, écoute, c'est ta chance pour vraiment prouver, pour pas prouver, mais vraiment pour devenir un homme, un vrai, c'est ta chance, donc tu dois faire ta vie. Vivre à la maison, c'est fini. Donc ça, c'est avant de quitter, bien sûr. Et du coup, on a la deuxième question Google qui a changé ma vie. How to make money when I just get fired for my À peu près, c'est pas loin. internship? C'est comment se faire de l'argent avec un blog, un truc pareil. J'ai googlé en Parce que fait. du coup, tu avais quand même déjà commencé à lancer ce Ah blog sur la séduction dans l'objectif de partager tout ce que tu apprenais, ce que tu lisais sur Internet. Et le blog commençait à marcher? Or, c'était juste le début? c'était vraiment le début. Alors moi, j'ai fait le truc pour pas se faire de l'argent, c'était juste pour partager parce que j'aime écrire. Je suis écrivain par cœur, donc by heart. Et donc, voilà, je balançais des articles, j'écrivais ce qu'on appelait à l'époque field report, c'est-à-dire que si Ouais, je... t'allais sur le terrain, tu draguais des nanas, t'écrivais tes anecdotes de drague et tu les repartageais. C'était que ça, en fait. Et du coup, et quelque chose, et ça, c'est important aussi pour ton podcast, c'est quelque chose qui m'a découragé, en fait, parce que Maroc, il y avait vraiment pas d'option pour avoir un truc en ligne, c'est-à-dire pas d'option de paiement en ligne, pas de banque en ligne, oublie ça. Donc déjà pour avoir un blog, je me rappelle, j'ai appelé un pote en France qui a acheté le nom de domaine, qui a tout fait pour moi et j'ai dû l'envoyer de l'argent par Western Union. C'était la galère, mec. Donc du coup, t'es pas. Mais on trouve toujours des solutions quand même. Oui, si on veut, on peut. Hein. Donc c'était ça en fait. Du coup, c'était pas. Mais après l'idée, mais je dis, écoute, j'ai un blog et surtout, je me rappelle que j'avais des lecteurs, des Français en fait, parce que c'était que des Français, 90% de Français, 10% de Marocains, parce que j'écrivais en français. Donc du coup, Google me plaçait, et donc ça, c'était la belle époque Google, mec, fuck. J'ai envie de pleurer parce que on n'a plus cette chance. Alors, moi, je t'explique. Donc, j'avais des mecs, des Français, hein, je me rappelle, je peux même te dire les noms. Il y avait Antoine, il y avait Fabien, etc. Ils m'écrivaient des commentaires. Ils disaient, mais ces articles, ils sont top. Est-ce que tu n'as pas un livre? Je l'achèterai sur le champ. J'ai dit, ouais, mais comment tu fais? Western Union, c'est chiant, moi. Et il y avait des gens qui voulaient des coachings. Ils m'écrivaient, ils disaient, hey, mec, est-ce que tu peux me coacher 1 heure au téléphone? Donc à l'époque, c'était MSN, Skype, etc. Il me dit, ouais, mais comment être payé? Donc je m'en tapais un petit peu. Là, du coup, en Pologne, je suis Mais à ce coincé. moment-là, en tout cas, et la magie de Google de l'époque, Exactement. Donc, tu j'écris écris là. tes field reports, tu écris tes blogs, et il y a des gens qui te lisent, et il y a du trafic qui arrive, et il y a déjà une connexion qui commence à se construire avec la communauté, quoi. Exactement. À ce moment-là, est-ce que tu as un objectif vraiment de faire un business ou pas du tout? Non, pas du tout. Donc, toujours là, c'est ma tête dans ma tête. Je passe, c'est un an pour faire. C'est encore pire, les gens te disent, je veux te payer, et toi, tu dis, aussi chaud. Exactement. Yeah, c'est pas pour ça. Je peux pas avoir. Mais après, je me dis, wait, wait, wait. Je suis en Pologne. C'est l'Europe. Now it's different.
Il y a une possibilité là pour avoir un compte PayPal. Je me rappelle à l'époque, PayPal c'était en fait, et au Maroc on ne pouvait pas avoir PayPal. Je pense que c'est toujours le cas en fait. Que font chier quand pas possible. Je sais qu'il y a des vraies complexités pour tous les Marocains parce qu'on imagine beaucoup dans les programmes, etc. Pour, en général, ils construisent une société directement à l'étranger pour avoir le Stripe, le bank account et le PayPal. Ouais. Imagine en 2008. C'était. Bref. Le jour où voilà, j'étais licencié, je vais voir une banque, la même banque en fait, parce qu'on a créé le compte bancaire. J'ai dit, écoute, est-ce que je peux avoir un compte PayPal ? Il me dit, ouais, bien sûr. Tu fais ça, 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 paf, tu connectes ça. J'ai dit, wow, OK. Donc, j'ai créé. That easy. Je crée immédiatement le compte PayPal, je le connecte avec ma banque, ça marche. Donc, j'ai déposé, je ne sais pas, une dizaine d'euros, machin. Et. Et je me rappelle des emails que j'ai reçus. En fait, je suis allé, je tapais Antoine, Fabien, machin, l'email, et j'ai dit, hey mec, est-ce que tu es toujours intéressé par mon coaching? Il dit, oui, 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 bien sûr. J'ai dit, OK, alors, donc là, tu vas rigoler, en fait. C'était 15, tellement... 20, 25. C'était exactement 20 euros. J'ai dit, écoute, 20 euros pour une heure. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il m'envoie les 20 euros. Et là, je t'ai dit, c'était la fête. Pour moi, c'était la fête. Je me dis, waouh, 20 euros. Pour moi, c'est parce que 20 euros, parce que mentalement, tu compares au Maroc, c'est 200 dirhams et 200, tu peux vivre une semaine au Maroc avec 200, voire plus. Tu vois, et du puis coup, surtout quelqu'un qui te paye que tu connais pas, exact. Un lecteur de ton truc que tu n'avais pas fait pour ça sur internet. Exactement. Et c'était, et donc, du coup, j'étais so fired up, so motivated. J'ai immédiatement écrit un article que j'ai appelé le net coaching. Et en fait, l'idée, c'est de payer 5 à 10 euros et je réponds à ton email. Donc, tu me dis ta problématique avec une fille. Salut Kamal, je sors avec cette fille ce soir, je sais pas, blablabla. Et après, je te réponds avec un email. Et si tu veux un autre email, ce sera un autre 5 euros. Et c'était, et je me rappelle ce mois. Donc, le coaching par email à 5 euros l'email, par exemple. Exact. Ah, c'était ça, 5 euros l'email. Et je me rappelle ce premier mois, j'avais fait 200 euros. Et c'était largement suffisant pour survivre un mois en Pologne. Parce que quand même, l'association, ils avaient une sorte de responsabilité. Ils m'ont trouvé un petit appart, bon, pas un appart, mais une chambre dans un appart. Donc, ils payaient le loyer. Et Enzo, moi, je te dis, c'était, je pense, ça, c'est un peu la nostalgie, en fait. C'était le jour où je voyais ce lifestyle avant que tout le monde peut faire. Je me suis dit, écoute, je suis dans une superbe ville. En fait, il neigeait, en fait. C'était en décembre. Il faisait affaire beau. C'était Christmas light, machin, Noël, etc. Et ma journée ressemblait à ça. Je me réveille vers 10h, 11h. J'écrivais un article. Non, pardon. Je préparais le petit-déj comme un homme, un vrai. Parce que Maroc, c'est maman qui faisait tout. Je sortais, en fait, je prenais ma caméra parce que moi, je suis très passionné par tout ce qui est photographie, vidéographie. D'ailleurs, tu peux voir dans le fond, il y a le YouTube, machin, il y a des caméras, etc. Tu vois, ouais, on aura l'occasion d'en reparler, à mon avis, un petit peu après parce que ça va... Prenez ma quasiment ta suite. Hein. Exactement. Je prenais mon truc, je sortais, je prenais des photos, des vidéos, machin. Donc, l'artiste en moi s'exprimait. Et l'après-midi, j'écrivais des articles. Et je rigole pas, je pouvais faire 4 articles par jour. Donc, j'étais tellement, tellement inspiré. Je me rappelle de, j'allais à cette mall qui s'appelle Zlotatara. Pour moi, un mall, maintenant, tu dis un mall, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, c'était pour moi, c'est un truc grandiose, c'est un truc magnifique. Surtout, je voyais les filles qui faisaient le shopping, ils sont belles. Pour moi, c'était le rêve, quoi. Donc, j'avais mon petit café, je m'installais tranquillement dehors, j'écrivais. Et là, je te dis, donc ça, c'est une autre histoire. J'avais un petit... On ne le fait plus maintenant, mais j'avais un petit ordinateur PC que j'avais gagné au Maroc parce que mon blog était élu le meilleur blog de l'année au Maroc en 2000. Voilà. Et donc, j'avais ce petit PC, je ne sais pas, même pas comment on l'appelait, et je tapais mes petits mots, voilà. J'écrivais, je publiais, je rentrais chez moi et je refaisais. Et c'était, et je me suis dit, waouh, ça,
c'est une belle vie que je peux faire pour le restant de ma vie. C'est-à-dire se réveiller quand je veux, prendre des photos, écrire, publier, coacher des gens. Et donc là, il y a un, comment dire, un autre cliffhanger ou bien un tournant de l'histoire. L'association, en fait, ils disent, ah, Kamal, on a trouvé un travail pour toi. We did what the fuck, man. I was living my perfect life. Et maintenant, il faut que je retourne travailler. Exactement. Mais ils disent, pas à Varsovie, mais à Cracovie. Mais je dis, what the fuck, man? It's like, ah. Donc, j'ai passé décembre en mode artiste, en mode happy, etc. Ils disent, si tu veux pas, tu dois rentrer au Maroc. Parce que légalement parlant, ton visa, c'est pour faire un stage. Donc, tu fais un stage, sinon, goodbye. Donc, j'ai essayé de résister, de dire, non, je gagne ma vie. Bon, je gagnais 200, 300 euros par mois avec mon blog. C'était largement suffisant, comme je t'ai dit. Et je dis, bon, ok, bon. Mais après, donc, ça, c'est la deuxième idée. J'ai dit, OK, je vais faire le stage, mais en même temps, je vais faire mon business aussi. D'accord? Je pars à Cracovie. Ça, c'est un autre trip. Une très, très, très belle ville. Et c'est magnifique. J'ai rencontré un Brésilien, Rodrigo, et un Italien. Et on faisait la fête chaque jour quand pas possible. Mec, je pourrais la gueule. Et après, on finissait. Parce que Cracovie, il faut comprendre, c'était une ville, ça, on part de 2008 toujours. En 2009, début 2009. C'est une ville d'étudiants. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et la fête, c'était chaque jour, en fait. Chaque jour, chaque soir, on kiffait. Donc, je faisais la fête avec mes deux potes. Je bossais, je faisais un stage. Bon, c'était du n'importe quoi. Et je travaillais sur mon blog. Et tu sais, là, ça, parce que je dis ça, parce que quand j'allais pour mon stage, je finissais mon travail dans une heure ou deux. Et après, le reste, c'était mon blog. C'était la recherche d'articles et surtout la SEO. Comment on dit SEO? SEO en français, on dit SEO. D'accord. Donc, c'était la SEO et mec, je suis devenu un expert en SEO parce que j'avais tellement de temps, je me faisais chier en stage. Et j'ai dit, écoute, ces mecs, ils vont me payer pour bosser sur mon blog. Et j'ai commencé à taper des recherches. How to rank number one, comment faire ça. Et je te dis, à l'époque, Google, il n'y avait pas beaucoup de blogs, il n'y avait pas beaucoup de… Voilà, donc il suffisait de trouver le mot-clé. Et bon, par exemple, à l'époque, si j'écris « comment sortir avec une fille », j'étais le premier résultat. Vite fait, boum. Et donc là, c'est vraiment la naissance, on va dire, un peu de l'empire séduction by Kamal. Exactement, parce que j'avais fait un truc qui est super intelligent et qui m'a en fait boosté, c'est que j'ai décidé en fait d'écrire pour les femmes aussi. Donc la communauté, c'était que des mecs. Comment sortir, comment embrasser une fille, comment voilà, tu connais. Alors moi j'ai dit, bon, il n'y a pas de blog pour femmes. Et donc j'ai écrit le premier article, comment draguer un homme. Boum! Première position sur Google. Alors que l'article est vraiment, j'ai dit waouh. Et après, j'avais, je ne sais pas, 2000 personnes par jour, 2000 femmes. J'ai dit what the fuck? Et j'ai dit ok, let's go. Et donc, j'ai commencé en fait à écrire des articles pour femmes. Et là, je me rappelle que j'avais fait appel à mon premier freelancer, parce que bon, je ne connais pas, je suis un mec, je connais comment écrire au sujet des femmes, etc. Et donc, j'avais cette fille qui écrivait des articles pour femmes. Ah, ça y est, on passe à une échelle création de business, là, vraiment. C'était déjà ça. Et donc là, une autre histoire, il y a Antoine, que tu connais certainement, je récupère mon ex. Il m'a contacté, il m'a dit, mec, je peux te faire un deal, il y a, je pense qu'il était manager à Albin Michel, un truc pareil. Ils disent, ils ont besoin de quelqu'un pour écrire un livre pour femmes. Je vois tes articles pour femmes, ils sont top. Est-ce que tu peux nous écrire un livre pour femmes? Et là, il me dit, écoute, ça va être publié Albin Michel, qui est la première maison de publication en France. Je dis, what? T'es sérieux? Il me dit, oui, je suis sérieux. Il me le faut dans 2-3 mois maximum. Je dis, bon, écoute, je te fais ça. Et donc là, j'ai commencé en fait à écrire un livre carrément. C'est fou quand même. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Hein, je peux te le montrer après. Et donc, avec l'aide de mon freelancer, on a fait un livre et bon, je l'ai pas vendu, mais c'était un truc de pourcentage, machin, de royalties, etc. Et j'étais le premier Marocain
moins de 25 qui publient un livre en France au sujet de la séduction. Et chez Albin Michel. Chez Albin Michel, s'il te plaît. et là, c'était… Tu te rends compte à ce moment-là que ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer et que c'est genre amazing de fou ou tu te poses même pas la question et genre just, tu le fais quoi. Alors moi, je suis quelqu'un de qui, comment dire, grounded, tu vois, pour moi, c'était OK, bon, c'est cool. D'ailleurs, ce que j'ai fait après, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je m'en fous. Je voyais que l'argent, ils m'ont donné 5% des rentrées d'argent. C'était du n'importe quoi. D'accord? Donc, j'ai pris le même livre. Désolé, Antoine. J'ai pris le même livre, je l'ai un peu modifié. Voilà, j'ai ajouté des chapitres, j'ai ajouté des trucs. Et je l'ai converti, bien évidemment, en e-book. J'ai changé le titre. Ça s'appelle le guide de la séductrice. Et j'ai commencé à le vendre sur mon blog parce que j'avais tellement de gens, de femmes qui venaient sur mon blog pour lire les articles, alors que j'avais genre 7, voire maximum 10 articles pour femmes. Comment draguer un homme, comment embrasser un homme. C'était vraiment des trucs super basiques. Et à la fin, si vous avez aimé cet article, alors vous pouvez acheter en fait le guide de la séductrice, machin, 20 euros, blablabla. Et je faisais... Et ça se vendait comme des petits pains, en fait. C'est là où tu as commencé à gagner beaucoup d'argent avec le blog. Et là, je pense que mon chiffre est passé de 200 à 2000 euros. Waouh! Alors, et je me dis, j'avais tellement d'argent, mec, que je. Comment dire ça? J'avais tellement d'argent que je ne me rendais pas compte. Tu vois, j'avais l'argent compte bancaire. Oui. Mais parce que j'avais toujours la mentalité du Marocain, tu vois, il faut économiser, il ne faut pas payer, il ne faut rien faire. Et donc, cet argent s'accumule en fait, s'accumule. Alors que pour moi, je vivais avec 200 euros par mois, tu vois. Et c'est pour ça que tu dis que les riches, ils ne dépensent pas. Parce que pour moi, je me rappelle, j'avais 20 000 euros dans mon compte bancaire et mon père, il gagnait 20 000 euros par an. Alors que moi, j'avais ça en quelques mois seulement. Mais on voyait pas la transformation. Toujours, il y a rien. C'était toujours moi qui kiffais la live. Tu dis rien à personne. Parce que l'argent n'était pas mon objectif, tu vois. Mon objectif, c'était de survivre en Pologne jusqu'à ce que je rentre au Maroc. Et 200, 300 euros, c'était largement suffisant. Je faisais mon Tes truc. Tes parents, quand ils sont au courant que tu écris sur la séduction, etc., comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que tu leur dis que tu gagnes un peu d'argent avec ça? Non, j'ai pas dit parce que je disais à personne en fait. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me rappelle un jour, j'avais écrit un article, c'était sur la trahison. Tu écrivais anonymement? Non, ça c'est une connerie que j'avais faite, malheureusement. mais non, j'écrivais genre voilà, c'est moi, ma photo, etc. Bon. Et je pense que c'était ça aussi la raison de mon succès. Parce qu'à l'époque, tout le monde écrivait anonymement, non, dans la séduction. Exactement. Alors moi, voilà, un Marocain qui écrit pour des Français, alors on a vite connecté, tu vois. Les gens, j'avais des mecs qui te disent, ah, moi, voilà, tu veux. Même, je me rappelle, j'écrivais des articles, il y avait plein de fautes d'orthographe, de grammaire, et tu vois, c'était pas parfait, mais c'était authentique. Et les gens, ils ont apprécié ça parce que c'était moi, tu vois. Je racontais aussi mes échecs. Là, je dis, je suis sorti avec cette fille, il m'a largué, il m'a fait ça, et j'avais aucun problème pour raconter ça. Mais je mettais mes photos, mon nom, mon adresse, let's go. C'était tellement con, mais tellement beau aussi, et j'ai vraiment kiffé. Et les gens, ils kiffaient. Et moi, je te dis, hein, à l'époque, ça devenait tellement une sorte de phénomène, un truc que je me rappelle de ces jours et je me dis, ah, si seulement je pouvais remonter le temps parce que c'était parfait. Moi, je te dis, à un moment donné, j'avais 50 000 lecteurs par jour, hein, que de la SEO, parce que c'était des articles, les articles, ils étaient funny, drôles, il y avait des erreurs. Tu vois, c'était un truc. Et à ce moment-là, tu te rends compte, par contre, que tu es en train de créer un vrai business, tu es en train de créer une machine, tu es en train de créer un truc. Pas encore, parce que j'étais toujours Kamal, le stagiaire qui va rentrer au Maroc. Tu vois, pas encore. Donc, j'ai dit, voilà, peut-être je ne touchais pas l'argent parce que je voulais acheter une voiture au Maroc. Tu vois, c'était un truc
J'étais toujours voilà, le petit Tu t'es pas dit, je vais en faire ma vie, quoi. C'est toujours une passade. Non, pas du tout. Et à ce moment-là, quand est-ce que YouTube va arriver, d'ailleurs? D'accord, donc je te dis ça après. Donc... Ah ouais, c'est après, c'est pas tout de suite. Quoi. On y est presque. Ah. Donc, mars, fin mars, mon visa arrive à son terme. Je dois rentrer au Maroc. Normal, je rentre. Et là, c'était une autre histoire parce que se faire 2000 à 3000 euros par mois au Maroc, c'est un salaire de ministre. Tu vois, donc là, j'étais quand même le petit Richard. Donc, voilà, j'invitais mes parents à des restaurants, à des trucs. On faisait des voyages. Arrive septembre 2010, je commence mon master. Marketing Ouf. Stratégique. Ah même. Ouais, vraiment, tu reprends l'école et tout. Ah oui, c'était ancré dans mon esprit. Tu vois, on n'est pas encore… Mais ouais, donc l'argent ne t'impacte pas au point que tu te dises « bon, ben, je vais en faire ma vie ». Non, non, non. Exactement. C'est fou comme histoire. Bref, je commence à faire le master et là, le prof, je me rappelle la première journée, présentation, machin. Et je regarde autour de moi, je vois les étudiants, etc. Le prof qui me parle du marketing en 19… Façon, un truc, je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il connaît le mec? Et le truc qui m'a le plus triggered, c'était quand on est arrivé à la section marketing, on appelait à l'époque e-marketing. Alors moi, j'étais déjà un expert en marketing. Bon, expert. Donc, je faisais des campagnes emailing, je faisais de SEO. Le trafic, etc., bien sûr. J'avais des connaissances, tu vois. Et le mec, il a balancé des concepts et j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, non, 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 this is not for me. Je me rappelle, j'ai passé une semaine, c'était la pire semaine de ma vie parce que j'étais plus dans le même univers que ces mecs-là. Bah, c'est sûr. Tu vois, parce que tu gagnais déjà 2 à 3 fois plus que le prof. Exact. Surtout le voyage en Pologne, ça a un petit peu accéléré mon développement personnel parce que j'ai passé quand même 6 mois tout seul. Voilà, j'ai fait mon truc et je pense que ça m'a permis de voilà devenir tellement, comment dire, avancé, advanced, tu vois, développé que j'étais plus sur la même, comment dire, fréquence, la même longueur d'onde. J'avais été catapulté dans un nouveau monde, quoi. La façon dont je parlais, l'ouverture d'esprit, parce que là, et tu sais, après avoir voilà, rencontré des Polonaises, etc., là, je me retrouve avec des filles qui me disent « Ah, je ne peux pas dépasser 10 heures du soir, il faudra me déposer après », alors que la Polonaise te dit « Écoute, what the fuck, let's go, pump it up », tu vois. Donc, je me dis « Non, 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 this is not for me ». Je me lève, donc ça, c'est une scène de film, là. Je me lève, je marche vers le prof et je lui dis « Écoute, mec, I'm out. Je vais pas faire ton truc. Est-ce que je peux récupérer mes diplômes ?» Parce que j'ai déposé ma licence, il faut déposer la licence. Je savais qu'à un certain moment, j'en aurais besoin. Je dis « Il faudra que je prenne mes trucs et me casser d'ici. » Il dit « What ?» Il me dit « Écoute, pourquoi tu fais ça ?» J'ai dit « C'est ma décision, je quitte. » J'ai pris mes affaires, je rentre chez moi et je tape « Stage Pologne ». Je voulais parce qu'il faut voir le visa, tu vois. Ah oui. De voyager, donc je cherchais un travail n'importe quoi et j'arrivais pas à le trouver, donc ça a brisé mon cœur. J'ai fait 6 mois de recherche, rien, parce qu'en Pologne il faut parler le polonais, tu vois, à l'époque, pour pouvoir avoir un truc. Du coup, j'ai contacté ISEC, les mecs, salut, ils disent écoute, il y a une opportunité à Berlin en Allemagne. Mais il faudra que tu passes voilà, les entretiens parce que c'est une position qui est assez intéressante. Il y a beaucoup d'applications, etc. J'ai dit, écoute, challenge accepted. Donc, je fais les entretiens. Je pense que c'était 5 entretiens, un truc pareil. Et je l'ai décroché. Boom, accepté. Hello, thank you, Kamal. Donc, ça, c'était l'aventure Allemagne-Berlin. Je lui dis, à Berlin, je vais faire un truc et je vais essayer quand même de voilà, trouver une solution pour aller au Pologne. Je débarque à Berlin en 2010. C'était une start-up en fait. C'était le début des start-up, etc. culture à Berlin. Parce que Berlin, c'est le hub. C'est comme Silicon Valley à San Francisco. Mmh. Et c'était aussi une révolution. Et donc, je bossais dans un truc super. Tu vois, on avait des Mac. Donc là, j'ai devant moi des Mac. J'ai jamais travaillé sur un Mac. Je dis, what?
je me rappelle, ils m'ont donné le CD pour installer le truc là. Mac OS, quoi. Mmh. Exactement. Et parce qu'il n'y avait que l'écran, tu vois, le iMac. J'ai dit, ouais, je cherchais le truc. J'appelle le mec, hey mec, où est-ce que je mets ça? Je dis, non, c'est en fait. Je dis, oh. Et là, pourquoi je te dis ça? Parce que c'était le début du déclic de Kama qui a de l'argent, qui va s'offrir des plaisirs et qui va un petit peu se développer. Et j'ai commencé à travailler sur le Mac et j'ai vraiment kiffé. Tu vois, j'ai dit, waouh! Tu vois, l'interface, le design, etc. J'ai vraiment kiffé et j'ai dit, je dois m'acheter un Mac. Et je me dis, ah, c'est trop cher, 2000, 3000 euros. Mais je dis, attends, j'ai ça dans mon compte bancaire. Et donc, c'était ça, en fait, le déclic. J'ai acheté un MacBook Air, je me rappelle. Et je l'ai acheté à 2500, machin. Et à l'époque, quelqu'un au Maroc, bon, de statut social normal, qui achète un truc à 2000 ou bien 3000 euros, c'est hors de question, c'est. C'est une voiture, à 3000 euros. C'est une voiture, normalement, ouais. Mais j'ai dépassé cette idée, reçu ce concept de ma tête, et je pense que c'était ça le déclic. Je me dis, oh, par exemple, si j'avais une société, je peux mettre ça comme une sorte de, comment dire, comme une charge. Comme un... Et là, ça commence à me travailler. Je dis, hey, how about, you know, et si on faisait ça d'une manière professionnelle? Je dis, bon, on va penser à ça. Il faut prouver, voilà, que je suis là à Berlin, etc. Même histoire, le stage était super chiant, fallait faire des rapports, etc. Mais j'ai profité pour bosser sur mon business. Je me rappelle. S'il n'y avait pas les problèmes de visa, exact. Tu aurais passé le cap d'être entrepreneur à ce moment-là? Exactement, absolument à 100%. Mais j'avais besoin d'être légal. Donc, et là, je me rappelle, j'ai écrit, je pense, 2 e-books à cette société. J'ai passé un an à Berlin. 2 e-books que j'ai écrits à... dans ce keyboard que j'ai tellement aimé, le beau clavier d'Apple. Donc, je tapais des mots et ça glissait comme une... Je jouais au piano, en fait. Et j'ai trop kiffé. C'est pour ça que j'ai acheté le truc. J'ai lancé l'e-book, en fait. J'ai fait... Et donc, ça, c'était l'époque des lancements orchestrés que Olivier et Sébastien faisaient, en fait. J'ai lancé mon premier e-book pour hommes, parce que mon premier produit, en fait, c'était produit pour femmes. Tu te rappelles de l'histoire? Et donc, je l'ai appelé les 9 éléments de la séduction. Donc, j'ai pris le mot séduction. Donc, chaque lettre, en fait, est une étape. Donc, S, c'était pour social. E, c'était énergie. D, des considérations, etc. Et donc, chaque chapitre expliquait qu'il fallait avoir ses aimes. C'était un truc de génie, en fait. Et j'étais aussi le premier à faire des vidéos pour le lancement. Et je me rappelle, j'avais un pote qui me filmait à Berlin. Donc, à chaque fois, je partais dans un truc, quoi, derrière un monument, et j'expliquais un élément. Et j'ai fait le premier lancement et je pense que j'avais fait 15 000 euros en une semaine. Parce que ça faisait quand même 4 ans que j'ai le blog, hein, ou bien 3 ans. Et que les fans ou bien les... Gros email list, quoi. Voilà. Et les gens, ils attendaient, en fait, ce produit. Ils disent, voilà, écoute, Kamal, tu fais un livre pour femmes, pourquoi tu fais pas un pour les hommes? J'ai dit, écoute, j'étais pas prêt. Et là, pour rendre l'histoire encore plus excitante, j'ai écrit le premier. J'avais ce petit PC parce que je faisais, en fait, je prenais le métro et ça me prenait 45 minutes le matin et 45 le soir. Donc, j'ai écrit, je te cache pas, j'ai plus cette motivation maintenant. Mais je me rappelle, je me réveillais à 7h, j'écrivais 7h30, je vais au métro, j'ouvre mon PC, j'écris, je fais mon stage, j'écris au métro, j'écris encore le soir, j'écris encore. Ouais, donc tu avais vraiment cette passion effectivement de l'écriture, quoi, cette facilité pour l'écriture. Exact, c'était un truc de ouf. J'ai fini le livre en 2 mois. 2 mois, j'ai lancé, j'ai fait le design, le lancement, etc. Et là, j'ai vu le potentiel. Là, je dis, ok. Et là, j'ai 15 000 euros en une semaine, ça représente quoi pour toi à ce moment-là? Tu t'en rends compte là, par contre? Donc là, pour moi, c'est là que j'ai eu cette réflexion et de dire, écoute, à ce moment-là, je suis riche. donc j'ai dit, il faudra commencer à préparer en fait la sortie, à préparer la vie en fait. Donc je me rappelle, j'ai contacté ISEC Pologne. Je leur ai dit, écoute, la Pologne me manque tellement.
I'm rich. I'm rich. I can come back. Exactement. Et le deal, c'était, ils disent, écoute, on peut t'envoyer une invitation, mais pour prouver, pour être légal, il faudra, par exemple, prouver que tu as, c'était du n'importe quoi, tu as minimum 200 euros d'argent de rentrée d'argent par mois. J'ai dit, écoute, j'ai 2000, 3000 par mois. Donc, ils disent, OK, pas de problème. Ils m'ont envoyé l'invitation, un an dans le visa. Et donc, ça, c'était quoi? C'était en 2011. Et donc ça, j'ai dit, this is it. Donc, j'ai pris un an à vraiment développer le business. C'était lancement après lancement, coaching, voyage. C'était le rêve. Et à la fin, j'ai dit, Chip Taisek, hey, les mecs, est-ce que vous pouvez me donner une autre année de visa? Ils disent, non, ce n'est pas possible, ce n'est plus légal. Et donc là, j'étais forcé, en fait, à monter une entreprise. Tu vois, donc, avoir le visa. Exactement. Ils disent, écoute, tu veux rester ici. Et en attendant, sinon, du coup, tu faisais tout, même pas en auto-entreprise, en mode bas les couilles sur le exactement. PayPal personnel. On ne se pose jamais la question, quoi. Exactement. Donc, c'était let's go. Pas de stress, pas d'anxiété. C'était, je me dis, bon, OK. It's not a business. It's just people sending me money on PayPal. Exactly. Voilà. It was not a business. C'était pas un business. C'était un truc archaïque, tu vois, c'était pas professionnel, pas automatisé, donc c'était juste. Et du coup, j'ai dit, OK, bon, quelles sont les étapes pour vraiment créer un truc? Et là, dans la petite histoire, je rencontre un Français ici en Pologne. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'espère qu'il regarde pas cette. je le rencontre, par hasard, je le rencontre en boîte, il me dit, ah, je te connais, toi. Je dis, ouais, il me dit, parce que là, en fait, les Français qui habitaient à Varsovie, ils me connaissaient. J'étais une petite star, parce qu'ils lisaient mon blog. C'est un truc de folie, mec. OK. Même si tu marches à Varsovie, en Pologne, il y a quelqu'un qui t'arrête. Hey, mais je te connais, j'aime ton blog, putain, est-ce qu'on peut. C'était magnifique. Donc, il vient, il dit, écoute, je lis ton blog, c'est vraiment chouette ce que tu fais, j'apprécie beaucoup. Et on est devenus potes, parce que bon, voilà. Quelle est la probabilité de rencontrer quelqu'un à Varsovie qui lit ton blog? Donc, on est devenu potes. Et lui, en fait, est venu en Pologne, je pense, en 2004. Il s'est marié, etc. Il m'a expliqué qu'il a son business, qu'il a monté. Et donc, il m'a en fait montré toutes les étapes pour ne pas… Voilà. Quand même, quand tu es seul ici, on essaie de t'arnaquer, etc. Il m'a donné un contact pour le comptable. Il m'a dit, écoute, ce type, il va t'aider. Il m'a dit, écoute, let's go. Et on a fait les étapes, en fait, parce que j'ai googlé comment créer une entreprise en Pologne. Il y avait des sociétés qui te font ça et on te facture 5 000, 10 000 euros. C'était du n'importe quoi. Mmh. Mais j'ai fini à le faire. J'ai dépensé, genre, je sais pas, 1 000 euros pour tout faire, vraiment. J'ai créé la société SBK Coaching et j'ai postulé pour mon truc. On m'a donné 2 ans parce que j'étais tellement légal. Je payais beaucoup de taxes, malheureusement. Donc ça, c'est le côté négatif, contrairement au Maroc, quoi. Exact. Je payais beaucoup, beaucoup de taxes. Mais ça m'a permis d'être libre, d'être légal, de ne pas vraiment à se faire chier à bosser dans des entreprises pour monter mon business. Donc, j'avais tellement le temps et tout ça. Et c'était parti. Et à ce moment-là, du coup, le business générait quoi? 4 000, 5 000 euros par mois? Alors, 2000, on est en 2012 maintenant. C'était l'euro, en fait. La Pologne et l'Ukraine nous ont organisé l'euro et c'était vraiment le début, voilà, de la révolution. Je pense à cette époque, non. Je pense qu'on a commencé déjà après la création d'entreprises parce que je voyais que 50% de mes revenus, voilà, j'étais en taxe. Donc c'était. Partait à l'État. Oui, bien sûr. Partait à l'État et je me dis, ah, OK, je suis pauvre encore. Donc là, il faut bosser. Donc je pense que c'était déjà à l'époque, c'était déjà on flirtait avec les 7 000, 8 000. Et si je faisais un lancement, ça allait jusqu'à 10 000 euros par mois. Ouais, c'est bien. Hein. Oui, donc c'était déjà ça. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et là, c'est peut-être que les gens ils connaissent pas. Donc, il y avait un article, ça, un autre tournant de l'histoire. C'est l'attaque des féministes. Bon, féministes radicales, on va dire. Féministes alors, c'était un article, et là, je l'avoue complètement, c'était un mauvais article, mais parce que c'est mon ego, en fait, qui m'a… Donc, c'était une histoire, une belle enrichissante.
Donc, on m'a attaqué tout simplement. Alors, c'était la guerre contre Kamal. Kamal dans les news sur TF1, France 2, France 3. Donc, c'était partout. Ah oui, carrément, ouais. Tous les médias mainstream. Ah voilà, ils m'ont attaqué. C'était une campagne bien orchestrée. Parce que moi, je refusais d'enlever l'article. Donc, voilà, c'était têtu. Donc, fuck you, I'm not gonna take it down. If you wanna cancel me, cancel me. Mais en fait, c'était un écrivain que, parce qu'à cette époque-là, quand je dis 10 000 à 12 000 euros par mois, on était 6. En équipe, ton équipe. C'était, on était une machine de contenu, tu vois. Par jour, on publiait 5 articles par jour pendant une semaine, 5 jours. Donc, c'était, il y avait Jean-Baptiste, il y avait Laetitia, donc c'était une vraie machine. Jean-Baptiste s'occupait des articles de, voilà, de, pas de sexe, mais voilà, sexo, j'allais dire, on va dire la section sexo. Et l'article qu'il a écrit, il était vraiment mal écrit. Alors, moi, ma faute que j'ai faite, parce que j'avais tellement d'articles à publier, je scannais le contenu, je leur faisais confiance, tu vois, parce que j'étais l'éditeur, en fait, je suis devenu l'éditeur. Donc, moi, j'écrivais un article par mois, parce que j'avais plus le temps, il fallait gérer les mails, machin. Et donc, il m'a envoyé l'article, je dis, bon, Jean-Baptiste, c'est cool, c'est un bon écrivain. Voilà, j'ai scanné rapidement, j'ai mis la headline, publié, boum. Et là, je me réveille le lendemain et je vois un trafic de ouf sur le site. Mais je dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Je check les stats et je vois l'article. Excellent, ok. Et donc, je commence à voir des commentaires. Tu es sexiste, what the fuck, c'est quoi ces conneries, machin, nanani, nanana. Et moi, engagement, hein, je dis, yes, yes. Et donc, j'ai laissé, en fait. Donc, je me rappelle, il y a la personne qui a fait cette attaque contre moi, j'ai trouvé un petit peu leur forum. C'était un forum, voilà, radicalisé. C'était un truc de ouf. Les attaques, il y avait beaucoup de racisme. Bref, c'était un truc. Et moi, ça m'amusait, en fait. Parce que je croyais que ce truc va passer, en fait. C'était juste quelqu'un qui a un blog, qui a écrit un article à mon sujet. Bon, ça crée de l'engagement, ça crée des ventes, etc. Je dis, ça va passer. Un jour, je me réveille et j'ai mon téléphone qui a explosé. What the fuck, je viens te voir sur TF1, machin. Je dis, what? et je trouve mon blog qui est en fait complètement comment dire, piraté, hacked, was gone. Ils ont supprimé, ils ont tout. C'est ça, en fait, quand on attaque, et j'arrive pas à me connecter. Je dis, what the fuck? Mais c'est le stress là. Il est où mon blog? tout était piraté, le contenu supprimé, etc. On préparait une plainte contre moi, etc. Mais là, je pense que c'est un moment qui a fait, voilà, de moi un homme. C'est de dire, OK, je dois régler ce problème. Parce que moi, je voulais juste me cacher, en fait. Parce que je me dis, bon, si je vais laisser la tempête passer, et j'avais pas besoin de de confronter, etc. J'ai dit, je vais rester tranquille, j'ai de l'argent, bon, ça va passer. Alors, c'était pas le cas. Jour après jour, c'était pire. C'était les news, c'était les attaques, c'était, voilà. Et j'ai dit, bon, OK. Donc, j'ai appelé des potes à moi. Je me rappelle, j'ai même appelé Alex Roth, qui m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a dit, écoute, je connais une personne à Paris qui va te faire la com, qui va écrire un communiqué de presse, voilà, pour répondre officiellement. Parce que moi, j'étais tellement out, je pouvais rien faire. Je tremblais, tu vois. Il y avait mon business qui avait disparu. Tu vois. Il me dit, écoute, tu commences par faire un communiqué de presse, dadadidada, t'excuser tout simplement, parce que c'était con, c'était pas honnête. Ce qu'ils disent que voilà, sexiste contre la violence, on m'a traité de, comment dire, de violeur. C'était un truc vraiment horrible, alors que c'était pas le cas. On a expliqué que voilà, même on a des articles pour femmes, on a des produits pour femmes, etc., etc. Donc c'était vraiment pas le cas, c'était juste une campagne contre moi. Et je te cache pas, là, je pense que toujours c'était les concurrents, parce qu'on avait jamais un site concurrent, donc on était les mêmes. Donc, peut-être, hein, je suis toujours, mais on sait jamais, hein. Bref, Alex, j'avais un pote au Maroc qui m'a aidé sur le volet technique. Il m'a dit, écoute, heureusement qu'on faisait des backups, hein, faites vos backups, les amis. alors, on a bougé le serveur de France, on l'a mis dans une île disparu, donc ne pouvait pas m'attaquer en justice. Donc ça, c'était une étape très, très importante parce qu'on préparait la plainte. On a bougé le serveur dans un truc éloigné. On avait les backups, heureusement.
Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis excusé, j'ai dit, écoute, l'article était mauvais, on s'excuse, on l'a enlevé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les ventes ont tellement explosé Ah après. oui. Côté SEO, j'avais des liens de TF1, de France 2, de France 3, de Euronews, machin. On arrivait à faire jusqu'à 100 000 visiteurs par jour. Le serveur tombait Wow. toujours parce qu'il fallait l'upgrader. J'appelle les mecs, quoi. En Inde, putain, allez, augmenter la capacité. Ils me disent, bah oui, il faut payer 2 000 euros par mois pour avoir ce genre de capacité. Écoute, j'espère que ça va rester comme ça. Mais les gens, en fait, grâce à cette histoire, les gens, ils ont découvert, en fait, le blog. Ils viennent, ils disent, bah écoute, ce mec, il est normal, en fait. Il C'est donne cool. Ouais. de bons conseils, et donc les gens, en fait, ils m'ont soutenu, surtout les hommes. Donc la vente, alors je me rappelle, on avait fait ce mois, on avait fait juste après la galère, on a fait presque, si je dis pas de bêtises, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Wow, c'est Juste énorme. des e-books, des formations, des coachings, etc. There is no bad buzz. Du coup, tu penses, le Exactement. bad buzz n'existe pas, ça fait. Exactement. C'était ça, la leçon, pas de bad buzz. Donc, la tempête passe, j'ai l'argent dans mon compte, j'apprends à gérer mon business et les backups. Machin, il faut toujours faire des backups. Et je commence à dire, OK, ce business n'est pas vraiment safe parce que c'est quand même, voilà, il y a des gens qui vont t'attaquer quoi que tu fasses. D'accord? Et c'est là que j'ai eu ma première idée de e-commerce. J'avais déjà acheté un appart, donc j'ai investi dans l'immobilier, un petit appart en centre-ville, je l'avais acheté à 50 ou 50 000 En euros Pologne, hein, du coup. en Pologne, et je cherchais à, voilà, diversifier, mais parce que du jour au lendemain, mon business était parti, hein, en fumée, et donc du coup, je dis, il fallait, et je me rappelle à l'époque, c'était, je lisais des blogs, tout ça, c'était investir dans l'immobilier, avoir un truc e-commerce et bien sûr des produits d'information comme les e-books et des machins. Et donc j'ai monté ma première. Alors là, c'est avant l'époque Shopify, c'était en 2014. What, c'était WooCommerce machin. Donc j'ai lancé la première, vous allez dire marque, si on peut dire ça, marque. Marque de pochette de costume. There you go, exactement. Parce que j'avais des lecteurs en fait en France toujours qui ont une marque similaire. Donc, je vais pas mentir, je me suis inspiré de Jean-Baptiste, hein, je me rappelle toujours de son, Jean-Baptiste et Ludo. Et j'ai dit, C'était le business qui aussi faisait du blogging et tout ça, qui ont lancé des trucs de vêtements, de mode et tout. C'est non, eux? Benoît et Ah oui. non, non, pas eux, d'autres. Mais bon, Benoît est toujours, c'était un bon pote aussi. Donc, parce que justement, au Maroc, on a la soie, on a de belles soies, tu vois, on a des couleurs, etc. Et je me rappelle parce que moi, je faisais la fête toujours, on sortait tout le temps, mon costard, etc. Et Ouais, donc tu étais toujours bien sapé. Il faut comprendre que tu as une passion pour ça. Tu es toujours en costard 3 pièces, 2 pièces, cravate. Tu es tiré à 4 épingles. J'ai fait ça parce que là, on va un petit peu remonter dans le temps, parce que moi, j'ai décidé. Et d'ailleurs, je viens d'écrire un article sur le sujet, parce que ça vient de me frapper un petit peu, parce que on peut dire, hein, on va le dire comme ça, moi, pour vraiment combattre le racisme, j'étais obligé d'apprendre à m'habiller bien. Parce que mes premières années, et ça, je dis pas ça pour attaquer la Pologne, mais il y avait des gens qui, tout simplement, ils me voyaient, ils me disent, ah, tu fais quoi ici? Tu vends des kebabs? Tu vois, et moi je me dis, what the fuck, man? Ça m'a, tu vois, je sais qu'ils le disent en rigolant et tout ça, mais je voyais quand même un air sérieux, donc Tu c'était. te sentais quand même attaqué et tu t'es dit, ok, je vais me upgrade. Exactement. Je me dis, alors, moi je suis quelqu'un de, voilà, d'analyste, j'analyse toujours, donc je me suis dit, alors, pourquoi ces types, ils m'attaquent comme ça? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de. Et là, parce que moi, j'étais toujours bien ça au Maroc déjà. Mais quand j'ai commencé à voyager, donc tu sais, tu peux pas voyager en costard tout le temps, hein, c'est Bah pas non. pratique. Donc j'ai délaissé un petit peu. Voilà, j'ai Et commencé puis à. surtout, il faut comprendre aussi que quand tu bosses en slip dans ta chambre et que tu fais 20 000 balles, t'as pas besoin non plus de te saper.
C'était ça en fait. Donc, surtout, j'avais lu le truc là qu'on a tous lu, je pense, la semaine des 4 heures. Le mec, il dit, tu bosses en slip, machin. Donc, c'était en fait la culture. C'était, voilà, the thing. Et du coup, j'ai un petit peu délaissé ma. Parce que moi, je te dis, hein, au Maroc, je portais des cravates, des couleurs, machin. J'étais la star dans la faculté. Tout le monde connaissait le mec le plus stylé, etc. Mais mon voyage en Pologne m'a un petit peu. Et j'ai dit, écoute, non seulement je dois revenir à mes vieilles habitudes, mais je dois upgrader, je dois développer encore plus. Donc j'ai commencé en fait à lire des articles, des livres, etc., etc. Et donc je me suis retrouvé avec comment dire, nouveau set de connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais les connaissances de séduction et développement personnel que j'ai partagées. Et là, je me retrouve avec de nouveaux skills. Tu vois, le skill masculin. Vestimentaire, fashion. Et là, automatiquement, dans ma tête, ah, il faut monétiser. Donc, au lieu. Et d'ailleurs, j'ai lancé un blog qui s'appelle stylemasculin.com en 2014. Donc, je pense que c'est toujours en ligne. J'ai acheté le nom de domaine. J'ai pas cru que ça existe. Donc, c'est stylemasculin.com. J'ai dit, what the fuck? OK, ça, je l'achète. Boum. J'ai même acheté style-masculin.com aussi. Donc, j'ai les deux. Et on a commencé à créer des articles. J'ai écrit mon livre sur le style, et là c'était l'étape suivante, c'était vraiment d'avoir quelque chose de concret parce que je commençais à en avoir marre d'avoir que des trucs pas éphémères, mais tu vois ce que je veux dire. Je voulais avoir un truc concret, surtout que je sortais beaucoup et je faisais les pochettes. Et il y avait des gens qui venaient, qui m'abordaient, ils me disent waouh, c'est très cool, où est-ce que je peux l'acheter? Il dit écoute, tu peux l'acheter chez moi, boum, on achète. Et les marges étaient top parce que je me rappelle, ça me coûtait même pas 1 € pour faire une pochette et je la vendais. T'acheter au Maroc, du coup. Exactement. Ce que j'ai fait de génie, c'est que le packaging, j'ai fait un packaging de ouf. J'ai fait le packaging. Bon, le packaging était plus cher que le produit, en fait. Ouais. Donc, parce que Donc, j'ai tout de suite, avec cette vision luxury, exact. classy Vite et fait. marketing, du coup, on va faire un packaging plus cher que le produit. Exactement. C'était vite fait ça. Ça a tellement marché. J'avais des entreprises parce que, en fait, là, on parle toujours de Pologne. Personne ne connaît, bah, pas connaît, mais personne ne fait le marketing en ligne, personne ne fait des vidéos. Alors moi, que j'avais fait appel déjà en 2014, j'avais fait appel à des équipes de, voilà, parce que j'avais tellement d'argent que j'investissais en fait. Donc j'avais, pour lancer Glamorous Pochette, voilà, j'ai engagé en fait une équipe, on avait le studio et tout ça, et j'ai commencé à faire des tutos. Comment, voilà, plier la pochette de costume, tu vois, donc c'était des séries vidéo. En anglais et ils ont fait le buzz ici en Pologne. Donc je sortais, je me rappelle dans la rue, les gens ils croyaient que j'étais un acteur ou un truc parce que c'était ils ont vu ce mec sur Facebook parce que Oui, puis c'est pareil, même dans l'infoprenariat, tu as amené un niveau de qualité, de professionnalisme qui est tellement élevé que tu sortais du lot automatiquement, quoi. exactement, c'était tellement facile. Alors le jour où on a commencé à publier les vidéos, et j'ai pris deux filles ici qui sont assez connues, qui étaient super smart, intelligentes aussi, donc je les payais genre n'importe quoi, 500 € un truc pareil. On a fait des shoots machin et ils ont fait le buzz ici. Et j'ai eu comment dire, c'est l'équivalent de EDF en France ici. Ils m'ont contacté, ils disent écoute, on aime bien ton produit, est-ce que tu peux, voilà, on peut les offrir comme des cadeaux au lieu d'acheter des bouteilles de vin machin. Et je dis ah, yes. Ils m'ont dit est-ce qu'on peut commander 10 000 pochettes pour commencer, est-ce que tu peux faire. Wow, 10 000 pochettes. Et j'ai facturé, je me rappelle, à 100 € je pense, aux 80, un truc pareil. Et donc du coup c'était mon premier, j'ai eu un deuxième contrat avec une autre entreprise. Et du coup j'ai converti le business en B2B. Parce que j'ai remarqué que, voilà, je faisais chier à les vendre. Parce que c'était, moi je te dis, je te rappelle, c'était pas l'époque Shopify, il n'y avait pas de Facebook Ads, rien du tout. Donc c'était que du blogging, moi, en fait. J'écrivais des articles sur les pochettes pour vendre des pochettes. C'était un peu. Je ne faisais pas de pub, c'était juste Facebook, les photos, les vidéos, YouTube, etc. Et j'ai remarqué que les gens, et parce que je sortais beaucoup et j'ai développé mon cercle social et aussi mon networking, etc. Donc je connais pas mal de gens qui sont bien positionnés, donc je les contacte et je leur dis, écoute. Puis quand tu étais bien sapé et que tu avais une bonne image, tu pouvais rencontrer aussi des gens de meilleures sociétés en Pologne. Absolument. Donc c'était ça. Donc les gens, ils disent, mais t'es qui? T'es le prince du Maroc, t'es le fils d'un ambassadeur.
Je dis yes. Donc ça, la vision du kebab guy ou à l'ambassadeur, donc ça change. Hein. Du coup, je commençais à être invité à des fashion shows, à inviter même à la télé ici. Donc il y a plein de documentaires à mon sujet ici en Pologne, donc les mainstream polonais. Donc si tu googles Kamel Jahid, etc. Donc, je suis devenu la star. Tu vois le Kamel, the immigrant from Morocco. Tu vois le c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains ici. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime la Pologne. Hein. Donc, même si j'aime mes amis marocains, mais on est tranquille, on est bien ici. donc, il y a ça. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu vis ce truc, tu le kiffes. Ah, c'est 2015. Mec, donc je te raconte mon histoire de vie. Je me dis qu'il faut faire un film. Donc, 2015, this is it, mec. Je me fais tellement d'argent que j'invite mes 5 potes pour fêter mes 30 ans à Vegas. Business class, tout le monde. One of my dreams. Bah, on débarque à Vegas, on passe une semaine de folie, on fait un voyage à Yosemite, on a fait de Las Vegas à San Francisco, c'était tellement beau, en convertible, c'était magique. Je fête mes 30 ans, je rentre en Pologne, je fais un autre anniversaire pour les locaux, donc voilà, parce qu'il faut profiter, parce que pourquoi pas, what the fuck not. Et octobre, donc voilà, décembre, Noël, machin, je fais mes voyages, les îles Maldives, etc. C'était vraiment kiffer la life, parce qu'il marchait le blog, il marchait presque tout seul. J'avais créé le coaching, l'expérience coaching à Varsovie, c'est-à-dire qu'il y a des... Tu avais créé, oui, cette expérience de relooking, etc., dans laquelle tu accompagnais les... C'était à 5 000 euros. Exactement. C'était à 5 000 euros, donc des hommes qui venaient de France, de Paris, partout de France, en fait, ont passé le week-end avec moi, et c'était facturé à 5 000, c'est toujours le cas, en fait, à 5 000 euros, et j'avais tellement d'argent que j'ai décidé de travailler avec 2 personnes par mois. C'est-à-dire un week-end off, un week-end in, week-end off, voilà, pour kiffer, voilà. Et les gens ont payé 5 000 balles pour passer le week-end avec toi, aller chez le couturier, que tu leur choisisses un costume, que C'est un truc magnifique, tu vois, le costume. Et quand tu te rends compte de ça, que les gens sont prêts, quand tu mets un prix à 5 000, comment tu mets ce pricing? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je te raconte ça comme une blague, en fait. Alors avant d'avoir l'idée de faire ce truc, Et là, je vais dire son nom ici, Julien. Il m'a contacté, il me dit, mec, t'es super cool, j'aimerais bien juste être avec toi. Je dis, tu vois, ça, je reçois des emails tous les jours, donc des mecs, des gens qui veulent me rencontrer et tout ça. Et moi, j'ai l'expérience que c'est toujours, je sais pas dans ton cas, mais c'est toujours awkward pour moi de rencontrer quelqu'un qui me connaît, alors que moi, je connais rien. Je le connais pas. Ouais. Tu vois, tu le croises à la rue, tu sais pas ce qu'on va faire. Je suis super inconfortable et tu te dis, what the fuck, man? Du coup, je dis à la personne, elle me dit, écoute, j'aimerais bien venir à Varsovie et faire la fête avec toi parce que tu as l'air d'une star, j'aimerais bien kiffer. Il m'a dit, je suis prêt à payer. Il m'a dit, je vais en profiter aussi pour faire un costard. Il m'a dit, parce que je vois, parce que je faisais des costards, ça n'a pas beaucoup duré parce que c'était compliqué. Mais je faisais des costards avec un couturier ici. Il m'a dit, j'aimerais bien avoir l'un de tes costards. Est-ce que tu peux aussi… Alors, pour tout le monde qui sont sur le podcast, ouais. Malheureusement, vous ne le verrez pas. Mais pour tous ceux qui nous regardent en vidéo, on va mettre des images. Parce qu'il faut comprendre, en fait, l'univers Kamel. C'est tiré à 4 épingles. C'est beau. C'est luxury. Les femmes sont belles. Les costards sont beaux. C'est vraiment tiré à 4 épingles. On va vous mettre quelques clichés quand même pour que vous puissiez comprendre un peu à quel point un homme est prêt à se déplacer, faire un costume sur place. Parce que vous regardez le… Alors, en ce moment même, le Instagram de Kamel est off. Il prend des vacances. Mais quand le Instagram va revenir, c'est un fucking standard… De movie star, de TV star, de billionaire. Et on est en 2015. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? 2015. Donc, voilà, ça vous donne une idée. Exactement. Donc, c'était ça, en fait. Jouer la star. J'étais une star. Je ne jouais pas la star. J'étais une star. Et donc, du coup, le mec me dit, écoute, j'aimerais bien acheter un ou deux costards. Je dis, écoute, les costards… Ça me coûtait, et ça, je raconte pas des bêtises, ça me coûtait 2 000 euros. Moi, j'achetais des costards à 2 000 euros.
et j'ai acheté deux, trois en même temps. Écoute, je dis, écoute, il n'y a pas de souci, mais le costard, ça coûte 2000 euros, 3000 euros. Donc, je ne sais pas, c'est une bonne idée, ce n'est pas offert à tout le monde. Et je dis, il m'a dit, non, 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 ce n'est pas un problème pour moi. Et je dis, oh. OK. OK. Et là, je dis, écoute, si tu veux vivre cette expérience, en fait, il y a un service, ça s'appelle Weekend Transformation Machin, et ça coûte 3000 euros. Il me dit, OK, pas de souci, on voit le lien. What? J'ai dit... Et là, il faut retenir une règle, les amis. Si la personne dit oui directement, c'est que ce n'était pas assez cher. Absolument. C'est la première remarque. Voilà. Je me dis, OK, je dis, bon, à l'époque, mon 3000 euros, c'était quand même beaucoup d'argent. C'est énorme, alors, bien sûr. Je ne vais rien faire. Je vais juste faire la fête. Je vais relooker le mec. C'était, pour moi, c'était. Et là encore, c'est vraiment, c'est une blague, en fait. Ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Les dieux, ils m'aiment, en fait. Alors, les mecs, ils ne se connaissent pas. C'était un mec de Marseille. Il m'a contacté le même jour, le soir. Peut-être il m'a posé la même question. Salut Kamal, t'es super cool. J'aimerais bien avoir une sorte de coaching. Est-ce que je peux venir à Varsovie, passer le week-end avec toi? Tu me donnes un prix. Je dis, écoute, il y a Florian. Yeah, I have a price. Exact. J'ai dit 3000. Il me dit, OK, poste aussi, je paye. Boom. What? Et du coup, en 2015, la première expérience de ce coaching, c'est deux mecs, un de Paris, un de... Non, Bordeaux, je pense. C'était Bordeaux et Marseille. Ils se rencontrent, ils ne se connaissent même pas. Alors là, j'ai commencé, bon, bien sûr, parce que moi, j'aime bien voilà, tout ce qui est luxury et tout ça. Donc, je les ai récupérés en limousine à l'aéroport. On était pas allés au Sky Club. Alors, le Sky Club, c'était en fait un club de businessmen. Un succès, donc c'était vraiment l'élite pour accéder. Et moi, je connaissais le proprio. Le proprio, il m'adorait en fait, parce qu'il trouvait que j'avais un style qui est, voilà, un beau style, etc. Il me dit, toi, t'es l'ambassadeur de ce club. C'était en anglais en fait. Le mec, il me donnait accès à tout ce que je voulais en fait. Il me dit, tu veux une salle de conférence, tu la prends. Tu veux ça, tu le prends. Donc j'étais en fait presque le boss à ce club. Donc on a fait la théorie en fait dans ce club. C'était un bel espace avec une vue magnifique, panoramique de Varsovie, parce que c'était dans un gratte-ciel. Et tu vois, les gens, ils disent « wow ». Et voilà, j'ai fait deux trucs. On a fait le coaching, après on a fait la première soirée, la deuxième soirée, on a fait le relooking. Et à la fin, je me rappelle, Florian me dit « écoute mec, c'était absolument magnifique, mais tu dois en fait, tu dois augmenter le prix, parce que 3000, c'est rien du tout ». Je dis « ok ». Et du coup, j'ai décidé de faire 5000. J'ai pris l'argent parce que moi, j'adorais faire des vidéos. Donc, j'ai appelé mon équipe et j'ai dit, écoute, on doit shooter une vidéo qui va illustrer un petit peu tout ce qu'on fait, en fait. Donc, la salle de sport, le relooking, la fête, le restaurant, le club, l'aéroport, machin. Donc, j'ai monté la vidéo. On a créé un petit site qui est toujours en ligne. Je pense que c'était weekendtransformation.com, etc. Et c'était parti pour le show. Donc, je prenais parce que quand même, l'offre était aussi un suivi d'un an quand même. Parce que quand même, les gens, ils payent 5000, tu ne vas pas les dire, allez, tu fais la fête, au revoir. Donc, je devais quand même les suivre parce que voilà, il faut. Et ce qui est marrant, en fait, c'est qu'ils finissent toujours par revenir, minimum 2 à 3 fois. C'est incroyable. Le mec, après 2 ou 3 mois, ils te disent, écoute, j'aimerais bien revenir, est-ce que tu es libre? Je dis, bien sûr, avec, tu viens, hop. Et du coup, donc là, en 2015, fin 2015, 2016, donc ça, c'est le tournant number 3, 4. Le gouvernement ici en Pologne, c'est l'extrême droite. Donc, ils montent en pouvoir. Et là, les choses, ils commencent à, comment dire, donc c'est le début de, on va pas dire la descente aux enfers, mais presque. Je postule pour renouveler ma carte. Et on me refuse. Donc, non, tu ne peux pas rester ici parce que, je me rappelle, je lisais la lettre. Ils disent, tu n'apportes pas de cette manière. Mais l'idée, ce n'était pas ton entreprise. Oui, tu te fais de l'argent, mais ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Tu ne peux pas rester en Pologne. Sinon, il faut faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum. Sinon, il faut employer 10 de personnes polonaises. Tu vois, c'était des conditions presque. Des conditions qui n'ont aucun sens par rapport à ton activité, quoi. Exactement. Sinon, la loi, sinon tu peux bosser dans une entreprise polonaise, gagner un salaire minable de, je sais pas quoi, de 3
3000, 4000, non, pas 3000, de 300, 400 euros, sinon, t'es cool. Alors, moi, statut était, j'étais comme le président de ma société, tu vois, donc j'avais pas de salaire. Donc, c'était un truc de loi, en fait. Donc, j'étais comme un, mon visa était basé sur un businessman. Et un businessman, pour être légal, et comme je t'ai dit, il fallait avoir ces conditions, 2 millions d'euros, 10, bien, je connaissais pas vraiment. Mais moi, au fond de moi, je me dis non. Moi, j'ai un appart, j'ai acheté un appart ici. Je paye mes taxes, beaucoup de taxes, plus de 60% de mes revenus. Donc, et j'ai pas pu accepter cette, voilà. C'était pour moi, c'était, je me dis non. Du coup, là, je pense que ma première dépression. Donc, je commençais à déprimer parce que je pouvais pas voyager. Je pouvais pas quitter la Pologne. Je pouvais pas rentrer au Maroc voir ma famille. Je pouvais pas, voilà, j'avais de l'argent. Parce que tu étais bloqué niveau visa, quoi. Voilà, t'es en Pologne. Tu quittes, tu reviens pas. Donc, c'était beaucoup risqué, voilà, si je quittais, je pourrais plus jamais revenir. Donc, j'étais bloqué, heureusement ou bien malheureusement, en Pologne pendant 2 ans. Donc, 2016 jusqu'à 2. Et tu sais, notre lifestyle est basé sur les voyages. Donc, on se valide en quelque sorte en voyageant. Alors, moi, j'avais une simple règle, c'est de voyager chaque mois pendant 3, ça dépend du pays, dans nos 3 à 7 jours quelque part, tu vois, surtout en Europe. Je vais à Paris voir ma sœur, je vais passer une semaine, je vais au Portugal, Lisbonne, passer une semaine, je vais à Barcelone parce que j'aime bien Barcelone. Donc c'était, et je partais avec ma copine ou bien des amis. Donc c'était en fait mon style. C'est comme ça que je pouvais, c'est comme si je me suis conditionné à me recharger parce que sans voyage, je pouvais pas être productif, tu vois. Donc, c'était devenu en fait la règle. Ce qui est, du coup, pour vraiment combattre cette idée, donc, j'ai décidé en fait de voyager en Pologne. Donc, j'ai commencé à voyager en Pologne, donc je prenais des hôtels et je voyageais avec ma caméra, etc. Et c'est là que je me suis lancé sur YouTube, parce que YouTube, je l'ai créé. Ah, c'est à ce moment-là, ok. Non, YouTube, j'ai créé mon compte en 2008, ou bien 2010, et j'avais 16 000 abonnés. Et là, je me rappelle, comme objectif, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo chaque jour pour vraiment exploser le compteur de mes abonnés. Et c'est ce que je faisais. Donc, je voyageais quelque part en Pologne. Je postais des vidéos chaque jour et j'ai explosé les chiffres. J'ai atteint les 100 000 abonnés en 2 ou bien 3 mois. Wow. Un truc pareil. Et du coup, mais cette expérience m'a quand même marqué, m'a beaucoup marqué. J'arrivais pas à accepter qu'on me donne pas mes papiers alors que je suis 100% légal, je paye mes taxes, tu vois. Et ça m'a beaucoup. Ouais, l'injustice. Voilà, exactement. C'était ça. Ça m'a beaucoup chamboulé, si on peut dire ça. Et j'étais très, très touché. Et voilà, j'étais primé. J'avais. Mais t'arrives quand même à crush YouTube en même temps, quoi. Ah, exactement. Parce que, dépression voilà. Part-time et successful YouTube guy the other time. Exactement. Mais ça m'a marqué. Qu'est-ce qui va faire cartonner YouTube, tu penses? La base existante déjà du blogging, un excellent storyteller, qu'est-ce qui va faire ça? Alors déjà, techniquement parlant, il faut publier une vidéo chaque jour. Ça, techniquement parlant, parce que c'est là que j'ai vu un petit peu l'explosion dans le chiffre d'affaires et d'ailleurs d'abonnés et de vues. Et deuxièmement, c'est être authentique, parce que moi, tu sais, c'est ça que hein, tu fais. Je fais des fautes, je mâche des mots, je prononce mal, je balance des mots en anglais, tu vois, ça, c'est moi, et c'est authentique, parce que j'ai pas peur de le cacher, tu vois. C'est ça, les gens, ils apprécient ça, parce que t'es pas fake, c'est pas quelqu'un qui, voilà, qui parle avec un accent, c'est moi, donc tu, voilà, you see what you say, you get what you see. Je donne des et malgré le fait que tu n'es pas posté, je crois, depuis 9 mois ou un truc comme ça, tu as encore gagné énormément d'abonnés. Aujourd'hui, tu as plus de 200 000 personnes. Exactement. Sur ton canal, ouais. Donc, c'était ça. Deuxièmement, c'était le storytelling. Donc, ça, quelque chose que j'aime bien faire. Et troisièmement, c'est avoir le sens. C'était la… c'est vraiment être immersé dans la culture YouTube. Tu vois?
C'est parce que moi, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, surtout américains. Donc, il y avait les mimes, les petites blagues, etc. Donc, c'était. Moi, je vivais, je respirais YouTube, en fait. Un peu de vue un peu artistique, quoi. C'est un Exact. peu l'expression de ta partie artistique à ce moment-là. Tu vas tout mettre sur YouTube, quoi. Exactement. Ce qui m'a. Et donc, là, aussi pour l'histoire, ce qui a développé une sorte de réalisateur. J'ai commencé à développer cette passion pour tout ce qui est vidéographie, cinématographie, etc. Tu vois, cinématographie, je ne sais pas si on peut dire ça en français. Et du coup, donc déjà en 2017, donc c'est là que je décide de lancer Meknès. Et pour lancer Meknès, donc la marque en cuir, d'ailleurs, je te remercie parce que tu étais parmi les premiers backers à Kickstarter. Tu avais acheté le. La pochette du MacBook, Donc, yes. la nouvelle version, on devrait t'envoyer la nouvelle. Et donc, pour lancer ça, j'ai décidé de faire un court-métrage, de raconter un petit peu, de parler de l'héritage marocain, de la culture. Et c'était un. Bon, ça, je dis ça parce qu'on l'a fait, mais c'était un court-métrage qui est très beau, en fait. C'était un truc magnifique qu'on avait fait C'est parce là où qu'on. on voit effectivement quasiment toutes tes vies qui se croisent en une. Exactement. Tu es le modèle de tes vidéos, de la marque Meknès. Costume hyper travaillé, des détails, le cuir, la qualité, le luxury, des femmes magnifiques, un storytelling incroyable. Et effectivement, ce côté du savoir-faire, de l'artisanat marocain. Qui doit être distribué au monde parce que le Marocain a un savoir-faire incroyable. Et tu le dis très bien dans le storytelling sur Shark Tank, mais tous les pays ont leurs petits trucs, la beauté à droite, à gauche, le tissu. Et le Maroc, c'est cet artisanat, c'est le cuir. Il faut que l'artisanat marocain soit connu du grand public et que tout le monde puisse en profiter. Et tu vas lancer du coup une collection de sacs, c'est ça? C'est les duffel bags, les premiers? Ouais, c'était le sac Weekender Bag. Donc, c'était une campagne à succès. Donc, on a fait 50 000 euros ou 1 dollar en 30 jours. Donc, le projet a été validé et on avait 100 sacs à fabriquer. Et c'est là que je réalise un petit peu que ce n'est pas des e-books qu'il faut voilà, stocker, shipper, machin. Ah, donc, Beaucoup plus complexe à faire un weekend bag et qu'à faire une pochette aussi de costumes, quoi. mais c'était, voilà, bien sûr, c'était en dehors de ma zone de confort. Donc, j'apprenais des trucs. Et puis Kickstarter, et puis l'e-commerce B2C, genre explosif, quoi. Faire une grosse campagne marketing. Tu t'étais fait accompagner, si je dis pas de bêtises, pour réaliser ta campagne Kickstarter? Oui, exactement. Et d'ailleurs là, ce qu'on a fait, en fait, j'ai fait deux campagnes. La deuxième n'était pas vraiment. C'est là, en fait, que tu as participé, la Moi, deuxième. j'ai participé à la deuxième, ouais. Tu avais fait 55 000 sur la première, je crois, des Weekender Bag. Exactement, exactement. Donc, et après, bon, c'était le. Il fallait se lancer en e-commerce parce qu'on ne pouvait pas faire Kickstarter, voilà, tous les jours. Et je me suis lancé donc, mais ça c'était une erreur. Je pense que c'était déjà le cas de Shopify. Il commençait à, voilà, à se faire un nom, mais c'était pas aussi, voilà, connu. Donc, Ouais. parce que moi j'avais l'expérience de WordPress. Et c'était une catastrophe en fait. C'était une catastrophe. je dis donc j'avais les sacs, etc. Mais ça marchait pas. Donc, la conversion était nulle. J'envoyais des trafics, mais ça ne marchait pas. Et les sacs étaient chers. De toute façon, c'était dans les 800 euros, alors que la marque n'est pas vraiment développée. Donc, on a commencé à faire des portefeuilles, etc. Ça a marché pour un moment, mais là encore, ça commençait à déconner. Donc là, on arrive, je pense, à 2019. Donc, je me dis, bon, je vais mettre ça en mode pause et je vais penser à ça. Donc, arrive 2020, la pandémie. À ce Covid. moment-là, du coup, pour qu'on comprenne 2019, tu es déjà beaucoup plus tourné vers cette industrie du luxe, du vêtement, de l'e-commerce.
que des réseaux sociaux, du blogging et tout ça. Est-ce que tu écris encore quand même à ce moment-là? Est-ce que le business est en automatique et il génère des revenus? Est-ce que tu fais encore du coaching? Ouais. Comment est-ce que tu es positionné? Le business est toujours en mode passive income. Donc, c'était un. Donc, j'écrivais de 4. On va dire un article par mois. Ok. Une vidéo par semaine, un article par mois. Mais bien sûr, j'avais les rédacteurs qui écrivaient des articles, les newsletters, etc. etc. Donc, ça marchait toujours. Hein. Je faisais ma vie avec ça toujours. Pas comme avant, mais c'était ça, en fait. Donc, comme tu dis, parce que moi, j'étais focus sur tout ce qui est industrie, queer, machin. On se rencontre en 2019, du coup, dans un brunch parisien avec notre ami Antoine Le Partouzeur. Et du coup, effectivement, les sujets de conversation, c'est e-commerce, quoi. C'est comment est-ce que je vais réussir à grinder et développer mon luxury business, quoi. Exactement, c'était ça. Donc, on a eu cette conversation et là, je réalise, OK, il faut en fait peut-être faire des petits produits. Tu vois, c'est pas des sacs énormes qui coûtent, je me rappelle le sac qui me coûtait presque 300 € pour produire un sac. Mmh. 800, 900. Et donc, c'était impossible pour une startup. Donc, du coup, je mets à contre-cœur, le projet Meknes en pause, et je me dis, OK, je vais trouver une solution. Je reviens, en fait, sur le blog. Je commence à relancer un petit peu les coachings, etc., parce que j'adore le coaching. J'aime bien rencontrer des gens, coacher, etc., faire la fête en même temps. Donc, je commence à lancer, relancer les coachings, etc. Donc, 2020 arrive, boum, Covid arrive, boum, les coachings et tout ça s'arrêtent. Et, je me dis, what the fuck? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc là encore, le tournant numéro 1002, c'est les masques, c'est les bavettes. Donc à ce moment-là, il y a quand même entre deux ta campagne Kickstarter où tu relaunches les Weekend the Bag et où tu lances les MacBook Case. C'est à ce moment-là que moi, je vais en acheter une d'ailleurs. Ouais. Et c'est genre 6 mois plus tard, Covid, pandémique. Exactement. Et tu vas sortir les masques avec le fameux motif Meknes, le fameux motif marocain. Exactement. And that is going to be a fucking success. Non, alors, on va donner un petit contexte. Parce que les gens ici à l'atelier m'ont dit, écoute, on n'a pas de travail. Parce que moi, j'ai arrêté la production. J'ai dit, écoute, je vais pas produire des laptops, livres, des étuis, etc. Parce qu'il n'y a personne qui va acheter, personne ne voyage. Donc, j'ai arrêté tout. Ils me disent, ouais, écoute, mais on va mourir si tu mets pas là, si tu passes pas une commande, on va mourir. Je dis, écoute, comment puis-je vous aider? Ils disent, écoute, le masque, il y a des gens qui portent des masques. On a fait pas mal de masques pour des entreprises. Est-ce que tu veux faire des masques Meknes? Parce qu'il y a beaucoup de, on avait beaucoup de, parce que en fait, le tissu qu'on a, c'est du coton, double coton, qui était parfait pour les masques, en fait. Donc ça, on le met à l'intérieur des produits en cuir, tu vois. Mm-hmm. On avait énormément de matériel, etc. Donc, il fallait l'utiliser. Écoute, mon idée, c'était simple. C'était d'offrir des masques à quelqu'un qui achète, par exemple, une laptop sleeve. Je mets 2 ou bien 3 masques, parce que ça coûte rien. Et c'est l'époque, il faut comprendre aussi, d'un point de vue macro, qu'au début, les masques, on s'en bat tous un peu les couilles. Et du jour au lendemain, ça devient obligatoire partout. Mm-hmm. Le gouvernement saisit. Tu pouvais pas vendre, tu pouvais plus vendre de masques. Il y a de la saisie du gouvernement sur les stocks des différents commerçants, et le gouvernement clairement va nous enculer et prendre l'oseille parce que eux-mêmes vont se servir des stocks, vont revendre les stocks et vont gagner de l'oseille avec les masques qu'ils vont saisir. Mais du coup, il y a un vrai problème d'approvisionnement aussi. C'est ça que je voulais dire. Yes, merci de le signaler. Et aussi, il y avait la Chine qui était bloquée, donc on pouvait pas acheter et importer de la Chine. Alors, moi, j'avais un truc qui est complètement légal. C'est en Europe. Donc, on respecte les standards, régulations, machin. J'avais mon assistant qui faisait les campagnes sur Facebook. Donc, il met les portefeuilles, les sleeves, les machins. Et moi, avant de dormir, je décide de mettre le masque juste pour le fun. Je mets une petite photo de moi, en fait. Un truc carré. Moi, je porte le masque. Je le mets sur Facebook. Je me rappelle très, très bien. Je mets 25 € pour la journée. J'ai dit, on va tester. Je lance.
Je pars, je dors, je me réveille le matin, 2000 euros de chiffre d'affaires. Je vois la campagne sur Facebook, le ROAS, le ROI, c'est un truc que je ne sais pas. C'était X250, un truc pareil. Mais je me dis, ça doit être une erreur, ce n'est pas possible en fait. Parce que même moi, je n'avais pas cette quantité de masques. Parce que j'avais produit 200 ou bien 300 masques juste pour aider un petit peu les mecs, voilà. Et je pense qu'on avait vendu 1000 ou bien 1500 masques. Et je me dis, what the fuck? C'est quoi ça? Et là, je vais sur Shopify et je vois en fait. Parce que moi, bon, je n'avais pas les notifications de Shopify parce que je ne vendais pas beaucoup. Et je me dis, bon, en ce cas-là, on se bat les couilles. Hein, mais je ne vais pas. Et là, je regarde, je me dis, what? Du coup, l'algorithme Facebook, parce qu'on peut dire, hein, si tu veux connaître vraiment, il te faut 50 conversions pendant une semaine pour voilà, quitter cette phase d'apprentissage. Du coup, l'algorithme est déjà rodé, il connaît très bien. Donc, du coup, j'ai augmenté un petit peu, j'ai mis 100 euros par jour. Boum, explosion totale. Du coup, et là, pour la petite histoire, j'ai toujours pas de stock. Mais en même temps, parce qu'il y a toujours un mais, Facebook, en fait, ils interdisaient en fait la pub des masques. Donc, on arrivait à… L'algorithme, en fait, il reconnaissait en fait ce qu'on a fait donc, grâce à mon assistant. Ça, c'est une idée de génie. Donc, on a converti la photo de moi en masque en vidéo. Donc, c'est la même, c'est une image statique, tu vois, donc de 10 secondes. Et parce que les gens regardaient la vidéo jusqu'à la fin… Donc, ça a aussi explosé en termes de reach, en termes de… Voilà. D'engagement sur ta publicité, ça a baissé les CPM, des choses comme ça. Quoi. Facebook, wow, vidéo de 10 secondes et les gens qui arrivent à terminer, c'est pas possible. Donc, et les commentaires, les gens, ils ont adoré parce que bon, c'était un masque qui est très joli aussi, il faut le dire, motive, etc. Et du coup, je deviens une entreprise de masques. Donc, c'était… Full time, boom. Donc, j'embauche deux filles pour m'aider, en fait, à envoyer le truc pour, voilà, pour la livraison, etc. Parce que ça devenait impossible. Et après, du coup, on est passé à un fulfillment center, donc un centre de distribution avec DHL et envoyé, on avait entre, comment dire, entre 600 à 1500 commandes par jour. Wow. Et ça a duré. I did not know that was that big. Donc, on a fait, je pense, 500 000 euros en deux ou bien en trois mois de chiffre d'affaires. Et quoi d'autre? Mais bien sûr, j'ai fait tellement de conneries, tellement d'erreurs. Ah, c'était, bon, je te dis, hein, je te cache pas, ça, 500 000 euros, ça, c'est le rêve. Mais le profit, c'était même pas parce que j'ai fait tellement de conneries. Alors, un, parce que je me suis dit, allez, 2020, ça va être l'année des masques. Mais Facebook est devenu super, la concurrence est devenue super compliquée sur Facebook. Ouais, donc, tu as fait augmenter tes CPA. Ça a augmenté le truc. Et les gens, en fait, ça a commencé à créer des conflits sur Facebook. Tu avais les gens qui étaient anti-masques. Et il signalait en fait la pub et tu avais les commentaires des gens qui t'insultaient. Donc, c'est devenu très… Ah, c'était… Alors, moi, j'ai comme un con, j'ai refusé d'accepter la défaite et j'ai continué à lancer de l'argent sur Facebook, tu vois. Donc, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par jour. Et même quand c'était plus rentable, quoi, c'est ça? Plus rentable, c'était comme, comment dire, comme le gambling. Comment on dit gambling en français? Les jeux d'argent, quoi, la loterie, les casinos. Exactement, la loterie, casino, c'était un truc. J'étais tellement addictif parce que un mois auparavant, je mets 1000 euros et je gagne 10 euros. Là, je mets 1000 et je gagne 200. Et je me dis, non, l'algorithme va m'aider. Non. Il va changer. Ouais. Mais ça, l'acquisition et la découverte de l'acquisition du client payant, pour moi, ça a été une vraie révolution aussi de comment est-ce que je voyais le business. Toi, c'est complètement différent parce qu'avant, tu faisais du SEO, tout se positionner, machin. Là, tu découvres l'acquisition payante, tu mets 1000, tu génères 10 000. Ça retourne la tête. Ça retourne la tête. Et ce n'est pas positivement toujours parce que, comme je t'ai dit, j'ai refusé d'accepter la défaite et j'ai commencé à balancer l'argent
sur Facebook, allez, et à la fin, après, à fin d'année, c'était genre, j'avais des dettes, voilà, je dis, Where is écoute, the money? Ouais, c'est ça. where is the fucking money? Et là encore, dépression numéro 2, tu dis, je me suis fait tellement d'argent et je ne me suis même pas payé un euro pour profiter, pour kiffer ou un petit voyage. Je ne pouvais pas voyager quand même. Et là, donc là, je te fais le segue pour Shark Tank. Et là, je me dis, c'est fini. Je peux pas faire ça tout seul parce que quand même, l'objectif de, voilà, de créer cette marque de luxe, la première marque de luxe marocaine slash africaine, quand même, je peux pas le faire tout seul. Donc, j'ai accepté la défaite, enfin, après avoir perdu tellement d'argent. Et je me dis, allez, je dois chercher des investisseurs. Donc là, tu vois, avec moi, c'est un nouveau set de skills. Donc, c'est un truc, comment approcher les investisseurs, comment faire un pitch deck, comment pitcher. Alors déjà, donc là, je suis chanceux, donc je sais comment le faire, mais il fallait structurer le truc. Donc, je commence à chercher des investisseurs ici en Pologne parce que j'ai des connaissances. Je commence à pitcher, voilà. Meknès, this is it, this is that, blah, blah, blah. Et grosso modo, on se foutait de ma gueule. Donc, l'investisseur, il te dit, écoute, ok, demain, on se voit à 10 h. Ok, j'arrive à 10 h, fonds d'investissement, machin, l'investisseur n'est pas là. Alors, ce n'est pas pour donner une mauvaise image aux investisseurs, mais ces types, le mec, il ne me respectait pas, par exemple, parce que moi, je me rappelle très bien, j'avais quoi, deux, trois rendez-vous, et le mec m'a posé un lapin les trois rendez-vous. Donc, la dernière, il m'a dit, écoute, I can't meet you, je dois voyager en fait à Lisbonne, justement. Il m'a dit, je dois partir à Lisbonne, je reviens, on parle. Ouais. Et là, je me dis, mais what the fuck? Il fout de ma Back gueule? to back to Kamal vendeur de kebab quoi. Exactement. No respect quoi. Exactement, mais j'ai dit. Et là, j'ai analysé, comme tu dis, hein, comme bon analyste, j'ai dit, bon, ok, ces investisseurs, ils connectent pas avec la marque parce qu'ils sont pas marocains, tu vois, ils connaissent pas, ils s'en foutent du Maroc, de l'héritage, de ça. Donc, pour eux, bon, voilà, ils voient pas. Donc, du coup, j'ai dit, ok, peut-être si je rentre au Maroc, peut-être il y a des gens qui vont connecter avec la marque. Connecté avec le message, ouais. Avec le message et du coup je me dis bon allez comment on va faire ça parce que moi quand même j'ai perdu tous mes contacts au Maroc je connais bah, c'est pas que je connais Ta personne vie, mais elle est en Europe, quoi. Ouais. c'est pas la même voilà tu vois j'ai des amis de France etc mais je connais personne au Maroc et donc je commence à poser des questions hey à mes potes salut tu vas bien écoute je commence à chercher je veux des investisseurs est-ce que tu en connais ils me disent non ben, je connais pas et un mec mon meilleur pote il me dit écoute il y a cette émission mais en fait ça commence dans quelques semaines peut-être tu devrais postuler il me dit c'est quoi ce truc il me dit c'est Shark Tank bon, ben, je dis, ah ouais je connais il me dit ok bon on va essayer donc je rentre hop, je postule immédiatement parce que là tu vois le niveau en fait de la marque ils me disent wow what the fuck where have you been all our life tu vois donc on connecte. Et il y avait un bootcamp à faire, c'est une sorte d'entretien à passer. Là encore, pour moi, c'était voilà, c'était trop facile. Voilà. Ouais, t'étais déjà en place, quoi. Je suis en mode, tu vois, donc moi, je joue en Champions League, donc je suis pro, donc c'était trop facile pour moi. Et surtout, l'expérience en Europe, ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, du coup, je passe le premier entretien, deuxième pitcher, donc je pitch devant comité machin, comité bancaire, blablabla, c'est des comités. Mais bon, moi, pour moi, c'était en fait, c'est là que c'est mon domaine, tu vois. Moi, j'adore pitcher, j'adore parler. L'expérience YouTube aussi m'a beaucoup aidé d'être à l'aise devant la caméra, etc. Filmer, tu vois. Donc, c'était un truc, c'était l'autoroute, tu vois. Donc, c'était très, très facile. Quand même, avec un cliffhanger, à la fin, pendant mon pitch, j'étais trop honnête. Et on a failli me refuser parce que j'ai dit tout simplement, parce qu'on m'a posé la question, OK, tu es une marque marocaine, qu'est-ce que tu fous en Pologne? Et donc là, j'ai pensé, j'ai tourné la langue 7 fois avant de parler, mais après j'ai dit, bon, il faut être honnête. J'ai dit, écoute, malheureusement, la qualité au Maroc des artisans est nulle. Donc, les artisans que j'ai ici, ils sont pros. C'est des Européens, ils savent comment faire.
vois, le stitching, machin, c'est, on peut faire un produit presque parfait. Au Maroc, parce que j'ai essayé de faire les sacs au Maroc, mais tu vois, le mec, il t'envoie le zipper qui ou, tu vois, et quand tu dis, mec, c'est quoi ça? C'est pas possible. On dit, ah, habibi, c'est ok, ils vont pas. Tu vois, c'est une autre mentalité. Du coup, je me dis, pour, voilà, justement, pour ce projet. Ouais, parce que du coup, c'est design marocain, inspiration marocaine, fabrication européenne, fabrication polonaise. Exactement, italienne, parce que cuir italien, etc. Donc, pour eux, ils disent, bon, écoute, tu vois, donc j'étais trop. Ça tique un peu, ouais. Exactement. Donc, mais pour le coup, tu fais un storytelling qui est incroyable. Le message, il cartonne. Tu vas passer. Donc, C'était avant le show. Ah, before the show. OK. Les derniers comités pour m'accepter. Donc, on m'a refusé, en fait. Ils disent, ah, ce mec n'est pas vraiment marocain. Heureusement que, voilà, il y avait une fille qui est de la même ville, qui est Meknès. Elle s'est battue pour moi. Elle m'a dit, écoute, peut-être qu'il faut un petit peu peaufiner ton message. Il ne faut pas dire comme ça. Il ne faut pas dire, faut pas attaquer les artisans. Ce qui est normal. Parce qu'il ne faut pas attaquer bien sûr. La télé nationale où tu as des millions qui te regardent. Je dis, écoute, j'accepte. Il n'y a pas de souci. On va voir comment le faire. Twister. Comment le twister. Donc, on m'accepte. Ils disent, OK, le 7-9 ans, tu passes à la télé. Et donc là, une nouvelle vie qui commençait, voilà, devant la télé, de pitcher, et je savais qu'il fallait faire un pitch inoubliable, légendaire, tu vois, de légende, et j'ai commencé le travail. Donc, j'ai commencé à consommer des livres, comment pitcher, j'ai lu un livre qui est magnifique, c'est en anglais, How to Pitch, non, ça s'appelle Pitch Anything. Pitch Anything, yeah. Je le recommande à tes, voilà, tes auditeurs, à nos auditeurs. C'est un truc qui m'a permis, en fait. Alors, moi, j'avais l'élément de base, tu vois, mais ça m'a permis de structurer. C'est comme une page de vente. Quand on écrit, t'as la headline, le hook, machin, tatata, et j'ai fait la même chose avec mon pitch. Je l'ai structuré, comment raconter l'histoire, l'héritage. J'ai fait le hook, c'était comme tu as dit, j'ai commencé par dire la Suisse, ils ont les montres de luxe, l'Allemagne, ils ont les voitures. Les États-Unis, ils ont la finance et le Maroc, on a l'artisanat, etc. Ça m'a permis de, voilà, de scotcher les gens. Et après, j'ai raconté l'histoire de Kickstarter, l'objectif, bien sûr, les chiffres, parce qu'on avait quand même des chiffres. J'ai donné les chiffres de masse, donc ça a aidé. Et du coup, moi, personnellement, hein, pour la petite anecdote, j'ai découvert un truc que je ne savais pas que j'avais. Parce qu'une fois dans le studio, donc c'est un autre monde. Tu as les lumières, tu as une équipe, une centaine de personnes qui courent autour de toi. Le stress est énorme, l'enjeu est compliqué, mais ça m'a permis, donc j'ai permis d'activer un mode, que je vais dire, un mode Steve Jobs. Et j'étais dans une galaxie. Tu vois, l'objectif, parce que pour moi, la marque, c'était, voilà, je vais pas, parce que j'ai décidé, je ne vais pas dépenser un centime de plus sur la marque. Parce que j'avais pas d'argent, tout simplement, et ça serait quand même dommage de laisser mourir cette marque. On a commencé en 2017. Donc, j'ai pu accéder à un univers où j'étais tellement focus, tellement pro, tellement. Tu vois, j'étais dans deux ans. Visionary Kamal. Exactement. Et là, le pitch, j'ai fait en un coup. Parce que si tu vois les autres pitchs, donc ça, on ne le voit pas à la télé, mais les gens, ils passent 2 heures, bien 3 heures à pitcher un seul pitch de 20. Ah ouais. Parce qu'ils font des erreurs, ils sont stressés. Alors moi, je l'ai fait en 40 minutes. Pas d'erreur, pas du tout. Parce qu'il y a le réalisateur derrière qui te dit, coupe, tu peux pas dire ça, répète encore. Moi, j'étais tellement focus que personne n'a osé me couper. Genre le mec, d'ailleurs la production était française en fait, c'était des Français. Ils disent, putain mec, t'es dans un autre monde, félicitations. Cyborg, Champions League. Exactement, c'est la Champions League. Mon pitch était le meilleur pitch de la saison. Après, j'ai fait pas mal de presse parce qu'on m'a contacté, la presse nationale au Maroc. J'ai fait beaucoup d'interviews, etc. Et, ça t'a fait, il y a la fierté. Parce que c'était aussi la première fois que tu te faisais vraiment reconnaître chez toi, au final. Tu avais fait, tu étais une starlette en Pologne. Tu as réussi à avoir la haute société avec toi en Pologne et tout ça. Mais là, tu étais
enfin mis en avant chez toi au Maroc. Et bon, pas pour raconter tes histoires sexo, mais pour mettre en avant l'héritage du Maroc, le message du Maroc. Les parents peut-être aussi un peu fiers, beaucoup plus fiers là que les projets YouTube, même pas ? Que les parents. C'était les appels que j'ai reçus le lendemain. C'est la famille qui te regarde. C'est des membres de famille qui ne connaissent même pas. C'est un truc. La fierté des gens est ce qui m'a touché, en fait. Parce que tu vois, des amis d'enfance qui ont perdu le contact avec toi, qui t'appellent, qui trouvent ton numéro quand même, ils disent « Ah putain, mec, je t'ai vu hier à la télé, waouh, what's going on ?» Et surtout que j'étais en mode Kamal Champions League, le costard bleu, l'écharpe, etc. Donc, j'étais déjà, c'était ça. Donc, c'était… Et ce que j'ai tiré de ça, en fait, c'est que everything is about family. Tu vois, c'est la famille qui compte. Parce que j'ai rendu mes parents fiers. Tout le monde. Les gens, ils pleuraient, mec. Ils m'appelaient, ils pleuraient au téléphone. Moi, je pleurais aussi. C'était un truc. Je ne peux pas expliquer ça. Donc, c'était. Tu vois, des gens qui. Des voisins, c'est énorme. C'est comme, imagine, je ne sais pas, ce n'est pas une bonne analogie, mais c'est comme tu pars en guerre, tu sauves ton pays et tu rentres comme un héros, tu vois. C'est l'équivalent de ça. Donc, j'étais un héros et du coup, j'ai tellement kiffé d'être au Maroc, j'ai décidé de passer 6 mois au Maroc. Parce que là, je viens de rentrer en Europe encore parce que je lui ai dit, allez, il faut kiffer, il faut en profiter parce qu'il y avait les médias aussi qui me contactaient. Donc, il fallait être sur place pour faire des interviews et booster, etc., etc. Et donc, finalement, tu te rapproches enfin après quasiment 10 ans de ton pays. Quoi. Exactement, absolument. Donc, c'était ça, justement. J'ai dit, voilà, je me suis rendu compte, OK, j'ai jamais passé plus d'un mois au Maroc en 10 ans. Donc, j'ai dit, allez, je vais faire une autre pause. Donc, en fait, là, c'est reverse engineering. Donc, j'ai fait 6 mois en Europe. Alors là, je fais 6 mois au Maroc et je commençais à chercher. Avec les investisseurs, d'ailleurs, j'ai un investisseur qui est énorme, c'est Ilan, qui est donc le cofondateur de Banque Privée, donc qui est très connu en France. Donc, je pense que c'est VP maintenant, ça s'appelle VP. Donc, on bénéficie beaucoup de son expérience, etc. Donc, ça va vraiment prendre les choses to the next level. Donc, c'était ça. Donc, fin avril, je rentre en Pologne, je commence à travailler sur une nouvelle collection. Donc, on fait les ceintures là. Ceinture Meknès et this is it, my man. Mais c'est ça, hein. Là, c'est vraiment l'objectif, devenir un monument incontournable du luxury clothing, je dirais, de luxury industry, yes. For men, principalement pour les hommes. Mais pour femmes aussi, on va, parce que voilà, les hommes, hein, ça achète moins que les femmes. Donc, déjà, on a décidé, en fait, de se concentrer, en fait, sur les femmes aussi. Parce que, par exemple, la collection de ceintures qu'on va lancer, c'est plutôt focus sur les femmes. OK. Ouais. Ben forcément, c'est le pouvoir d'achat, c'est les femmes, c'est la décision instantanée. Absolument. Donc, on est là. Donc, je pense que j'ai tout dit. En fait, j'ai jamais entendu la chance. Effectivement, tu nous as fait l'honneur d'avoir une interview complète. On est à 2 heures, 2 hours. Fucking hell. How was that? Donc, tu sais, on peut faire un film de l'histoire. Hein. Netflix, Amazon Prime, si vous êtes là, connecté encore. N'hésitez pas à dire « Meknès, c'est chouette » dans les commentaires si vous êtes encore connecté avec nous. Ou si vous laissez un 5 stars review sur podcast, etc. Laissez-nous « Meknès, c'est chouette ». On saura que ça fait 2 heures que vous nous écoutez et que vous êtes avec nous. Ah, vraiment, chapeau aux gens qui ont resté jusqu'à la fin. Donc ça... Kamal, s'il y avait un plus beau souvenir, only one, de tout ton parcours, de toute cette aventure, ça serait quoi? Mes business ou bien personnel ou... Whatever. Parce que si c'est personnel, c'est grâce au business que ça l'a payé. Si c'est business, tu vois, ça fait partie du chemin. Ah, bah, je pense que c'est simple. Alors, j'avais un client Bordeaux qui s'appelle Laurent. Il a fait appel à mes services et je me rappelle de ma première rencontre, premier rendez-vous avec lui pour vraiment voir comment travailler. Il me dit, écoute, moi j'ai 45 ans, divorcé.
Mais je sais que ma vie, ce n'est pas terminé. Je veux encore avoir 3 gosses. Donc ça, c'était ça son pitch. J'ai dit, excuse-moi. Il dit, mon ex, elle a déjà 3 gosses de plus parce qu'il avait en fait 2 gosses avec elle et là, il a 5. Il me dit, écoute, je veux la même chose, je veux faire 3 gosses. Je sais, il me dit, écoute, je te donne 3 ans pour, pas pour me trouver une femme, mais pour m'aider à trouver la femme de ma vie avec qui je peux faire 3 gosses. Bon, moi, un projet de coaching de 3 ans, donc je lui dis, comment on fait ça en fait? Il me dit, écoute, je suis prêt à tout payer en fait. L'argent n'est pas un problème pour moi, mais tu me fais un plan. Je dis, OK, déjà, tu habites en France, comment on fait ça? Voilà, techniquement parlant, il dit, écoute, je suis prêt à venir minimum une fois par mois, donc un week-end par mois. Je dis, OK, c'est déjà pas mal. Et je me rappelle, le mec est tellement tombé amoureux de la Pologne, en fait, il a déménagé ici en Pologne, il a un appart, il dit, écoute, moi je vis ici maintenant. Et donc, et non seulement il était un client, mais il est devenu mon meilleur pote. Donc, j'ai beaucoup appris de lui, de l'expérience. Il m'a beaucoup aidé à lancer le business des pochettes en France, parce qu'il avait des connexions, on vendait des pochettes à Carrefour, etc. Et pour parler du moment, de The Moment, c'est le jour où il m'a envoyé l'invitation pour son mariage. Donc, je rentre chez moi, je check le mailbox, j'ouvre et c'était une invitation. Et j'ai pleuré immédiatement. Tu me dis pourquoi? Dis-moi pourquoi j'ai pleuré. Parce que si tu as suivi un petit peu le parcours, je te donne un indice, c'était en 2016. C'était en 2016, du coup, en 2016. Qu'est-ce qui m'est arrivé en 2016 quand le gouvernement a... Ouais, c'est ça, c'était le moment, J'étais c'était bloqué. la lumière dans la darkness, quoi, c'est ça? Non, j'étais bloqué en Pologne. Je ne pouvais pas quitter la Pologne pour assister. Ah, t'as pleuré parce que tu n'as pas pu y aller. Donc j'avais cette invitation pour le mariage. Il a rencontré une superbe femme, une Polonaise. Et j'ai travaillé sur son costard, on a fait le costard, on a tout fait ensemble en fait. Et j'ai lu, voilà, l'invitation, on t'invite Kamal, cher Kamal, tu échanges avec la lettre qu'il a écrite, etc. Et j'ai craqué, et je pense que ça m'a plongé dans une dépression encore plus profonde parce que c'était injuste. Ça m'a beaucoup marqué, mais tu vois, j'étais tellement content parce que le travail était fait, notre mission accomplie, on a trouvé la femme de ses rêves, il se marie dans quelques mois. Et donc voilà, c'est la fête, mais en Ouais, même moi temps. j'étais tellement du côté happy que j'ai pas vu, tu Mais vois. je sais, mais c'est pour ça que je te dis, c'était quand même parce qu'à la fin, je me suis dit, écoute, mission accomplie. C'est ce que j'aime faire dans ma vie, c'est vraiment d'aider les gens et de les coacher, de les assister, de les aider à réaliser leurs rêves. Et quand même, voilà, j'ai versé cette larme de joie mixée avec de la tristesse. De paillettes. Mais c'était un moment, je m'en dis, inoubliable, mais Ouais, moment, c'est fort, hein? C'est fort. les moments à tellement, donc, mais ça, Tu c'était. es multicasquette. Tu t'autorises à faire plein de choses. Il y a plein de gens qui ont besoin de se mettre dans une case et qui ont du mal parfois à en sortir, même en termes d'identité. Qui je suis? Comment est-ce que toi tu vis cette multicompétence, cette multi-appétit et ce côté multicasquette? Alors, je pense que j'ai la chance voilà, d'être. C'est tous, ils rentrent tous dans un domaine artistique. Parce que quand je suis blogueur, j'écris, c'est un écrivain, auteur. Quand je suis en mode Meknès, c'est la création de produits, tu vois. Toujours à Meknès, je fais des vidéos, donc le blogging, c'est la même chose. Donc, si tu vois, c'est toujours le même contexte. Donc, c'est pas vraiment, pour moi, pour te répondre, pour moi, c'est pas vraiment un changement de casquette ou de truc, mais c'est toujours un truc artistique. Donc, moi, je sais, et pour être honnête avec toi, avec l'âge, je vais pas dire, je commence à détester le business, mais j'essaie de ne pas faire les trucs, j'allais dire, opérationnels du business. Tu vois, par exemple, je déteste faire les pubs Facebook parce que c'est pas moi. Tu vois, je sais qu'il faut les faire, les TikTok, les machins, mais ça, c'est pas moi. Donc,
D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai posé la question la dernière fois. Je t'ai dit, hey, est-ce que tu pouvais me filer deux ou trois tips ceinture? Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à chercher un truc qui va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc pour Donc aujourd'hui, qui est Kamal? Je suis un créatif qui s'exprime à l'écrit, en vidéo et dans mes produits. C'est un peu ça la réponse. Je pense que c'est ça. Tu as bien résumé mon CV. D'ailleurs, parce que moi, je connais même pas la réponse, hein, donc je ne sais pas qui je suis toujours. Je me cherche toujours, et je pense que c'est ce qui rend la vie intéressante. Mais je pense que tu l'as bien résumé. Donc c'est quand même le créatif qui, voilà, qui fait des trucs artistiques. Parce que là, en parlant de rêve, mon grand grand rêve, c'est de faire un film. J'ai déjà écrit le script en fait. Bon, c'est pas fini, mais après tout ça, donc je vais être, j'aimerais être réalisateur en fait. Donc ça, c'est mon plus grand rêve. Je veux faire un DJ aussi parce qu'en fait, le film c'est l'histoire d'un DJ qui tue les gens avec la musique. C'est un peu dark, mais il y a un happy ending à la fin. Donc tu vois, comme je t'ai dit, je fais plein de choses, mais c'est toujours dans le même domaine. Voilà, c'est la vidéo, la musique, l'écriture, la littérature, etc., etc. Donc c'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeunesse qui a envie de réaliser des choses, qui ne se donne pas l'opportunité, qui se met des limites, qui n'ose pas, qui se trouve toutes les excuses du monde, qu'elle soit du Maroc ou d'Europe, tu leur dirais quoi? Alors, ça va être un peu cliché, mais les clichés sont toujours en fait vrais. C'est vraiment never give up. Tu vois, donc, parce que si on, voilà, comme j'ai expliqué tout au long de cette interview, de ce podcast, j'avais toujours des moments de doute, mais je trouvais toujours des solutions. Alors, le message est simple. Donc là, c'est un cliché. Alors, si on veut, on peut. C'est vraiment cliché. Mais alors, la jeunesse, alors je sais que maintenant, en ce moment, quand j'ouvre TikTok, par exemple, il y a tellement de monde, tellement de créateurs de contenu. Alors, on peut se dire, ah non, mais comment les gens, ils vont m'apprécier, etc. Comment faire dans tout ce noise, tu vois ce que je veux dire, ce bruit. Et je dis tout simplement, just fucking do it. Just do your part. Tu vois, parce que TikTok, il te faut un seul TikTok et tu peux partir. Voilà, ça peut partir viral. L'autre chose qui est un peu philosophique, c'est de vraiment essayer d'être dans le moment présent. C'est de vraiment vivre le moment. Donc, c'est d'être présent, ne pas vraiment se soucier du futur, bien du passé, être nostalgique, tout ça. Parce que moi, j'ai de très, très beaux souvenirs. Et parfois, je me force à ne pas vraiment aller à ces souvenirs pour être présent. Faut faire beaucoup de. Et ce que j'essaie de dire, en fait, c'est grâce ou bien à cause de cette génération TikTok, machin, on a l'impression que tout le monde est riche, que tout le monde est beau, que tout le monde va à la voyage. Et on se dit, on va jamais atteindre ces niveaux, alors que c'est des mensonges, en fait. Donc là, par exemple, tu as essayé de me contacter sur mon Instagram et tu as trouvé ma page qui n'est pas en ligne parce que j'ai décidé en fait d'être focus et j'ai pas envie parce que j'ai remarqué que je passe des moments où je me dis, ah, parce que tu vois, l'algorithme, ils te connaissent. Donc l'algorithme montre des gens dans des private jets, dans des îles paradisiaques, tu vois, et je me dis, ouais, pourquoi je suis pas là en ce moment? Donc, et je me corrige immédiatement, tu vois. Donc, je dis, essayez de ne pas être influencé par tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, parce que 90%, c'est pas vrai. Deux, just fucking do it, do your part, faites, travaillez dur, parce que rien n'est facile. Hein, donc, là encore, juste pour vous inspirer de mon parcours, c'était pas le racisme, l'injustice, mais j'ai jamais abandonné le navire. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours voulu atteindre mes rêves, etc. Et this is it. Donc, trois conseils. Ne croyez pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Vivez le moment présent and just fucking do it. Fucking do it. Moi, je rajouterais quand même authenticité. Ah oui. Authenticité, être soi-même, oser assumer, vivre la chose depuis soi sans être, sans se maquiller ou sans essayer d'être quelqu'un d'autre.
Et également, quelque chose qui m'a vraiment marqué, et si vous nous avez écoutés, vous l'avez ressenti, vivre ses émotions, les assumer, pleurer s'il faut pleurer, ne pas être dans le cliché non plus du mâle alpha, exactement. Embrasser sa part de féminité et de créativité en s'autorisant d'être un businessman, sans exactement. Autoriser de se faire rabaisser ou écraser fucking kebab guy, et en même temps toujours aller plus loin, aller chercher plus, aller concrétiser ses rêves. Et c'est pour ça que je suis assez persuadé que un jour, on verra réalisateur Kamel Djahid. Et en tout cas, on a la première. Donc, pour la première, dans le red carpet, tout le monde en costard. Ah mon Dieu. Et ça serait un moment magnifique. Écoute, comme on dit en Bretagne, Inch'Allah, non? Exactement. Je ne connais pas le mot, mais bon, ça me dit quelque chose. Kamel, merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment, comme prévu. Bon, tu es facile pour faire la conversation, tu es facile pour raconter des histoires, tu as des tonnes d'anecdotes. J'espère qu'on a réussi à vous illustrer, à vous donner un peu l'essence. Je pense qu'on a fait une excellente interview. J'espère qu'on vous ajoutera des images pour que vous compreniez un peu l'univers aussi de Kamel, qui vraiment, moi, quand je l'ai rencontré, donc moi, quand je rencontre Kamel, donc je rencontre déjà par le biais d'Antoine, il me raconte des tonnes d'anecdotes sur la séduction il y a 10 ans plus tôt, des conneries qu'ils avaient pu faire et tout. Je vois déjà les 150 000 abonnés sur YouTube et je me dis « Wow, how to do that ?» Et après, je vois l'Instagram « Fucking marvelous suits » et tout ça. Et cet esprit que j'avais adoré de « How I Met Your Mother », des mecs en mode legendary tous les soirs, tu vois, je dis, mais who is this man? Mais who is this man? Et puis, le dream du luxury business, l'excellent storyteller, l'entrepreneur inspirant. Je suis très content d'avoir pu rentrer dans ta tête, dans ton monde, dans tes baskets aujourd'hui. Et merci de t'être ouvert avec autant de vulnérabilité. Je suis persuadé qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui seront inspirées par ton histoire. Merci beaucoup, Kamel. Je t'en prie. À très bientôt les amis sur les réseaux, comme d'habitude tous les liens sont dans la description juste en dessous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview des personnages inspirants, on l'espère aussi inspirant que celui qu'on a eu aujourd'hui. Et Kamel, merci beaucoup, allez acheter votre nouvelle ceinture Meknes, votre pochette d'iPad ou comme moi tout simplement, peu importe ce que vous achetez, juste soutenez un projet d'un entrepreneur inspirant pour que vous ayez la chance de pouvoir dire un jour, eh bien, moi, j'ai mis 1 euro dans ce Kickstarter, dans ce projet, parce que j'ai trouvé le truc génial. Je vous invite à le faire, les liens sont dans la description. Merci à tous et merci Kamel. Ciao, ciao. À la prochaine.